Donc il faut que je parle comme ça, appareillé. Alors, toute la partie où vous... En fait, le truc, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui, à un moment donné, doit vous interrompre, etc., peu importe la raison, si vous n'avez pas vos écouteurs ou si vous avez débranché, enfin, si vous n'avez pas de son, vous ne pourrez pas l'entendre. Donc, vous pouvez, à la limite, en laisser qu'une oreillette, si jamais il y en a une qui vous dérange. Peut-être en garder qu'une seule, voilà, comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Et donc, je parle avec mes oreillettes. C'est préférable, ouais. D'accord, très bien. Et au niveau de la voix, c'est audible, là, comme je parle ? C'est très bien comme ça, ouais. C'est très bien. Bon. Il n'y a que pour moi que ça fait un effet Larsen de résonance, mais je n'en tiendrai pas compte. Sauf si on coupe le micro, je pense que... Très bien. Si vraiment ça vous perturbe, vous pouvez effectivement enlever vos écouteurs. Ça enlèvera le petit écho que vous avez si vous perturbe trop. En sachant que moi, si jamais il y a une question ou une interruption, je sais. Ou alors à ce moment-là, je les remets à la fin de la communication. Voilà, de toute façon, à la fin, quand vous approcherez de la fin, il faudra effectivement les remettre si jamais il y a des questions dans la salle, des choses comme ça pour qu'on puisse. D'accord. Et est-ce que je vais pouvoir assister oui, à. C'est Cyril qui. Oui. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'ensuite je peux rester en ligne comme ça en fermant mon écouteur de façon à ce que si jamais on me pose des questions par la suite, je puisse répondre ? Je vais rester branché tout l'après-midi. Tout à fait, c'est possible. Très bien. Sans problème. Merci beaucoup pour votre aide technique, en tout cas, qui est impeccable. Merci. Merci. Où est-ce qu'il vaut mieux que je sois assise ? Peut-être pas là. Attends.
Nous reprenons le fil de notre colloque. Pour main, texte, contexte et interprétation. Nous avions fini la matinée en donnant la parole à des conférencières qui nous ont montré comment les artistes ont essayé de représenter cette apparition décrite par les enfants. Cet après-midi, nous revenons à un contexte peut-être plus historique, puisque le titre de notre séance, de notre première séance de l'après-midi, est « La Vierge et les Prussiens ». Nous allons commencer par entendre une conférence de Yves Chiron, mais qui sera lue par M. Cyril Daïdé, étant donné que Yves Chiron n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui à Laval. Yves Chiron est un historien, spécialiste de l'histoire de l'Église à l'époque contemporaine. Il est bien connu car il a écrit de très nombreuses biographies sur des personnalités catholiques de premier plan, des papes, des intellectuels catholiques, des grands spirituels. Yves Chiron s'est beaucoup aussi intéressé au phénomène des apparitions mariales, en particulier Fatima et Lourdes, sur lequel il a publié. Et il a aussi publié en 1995 un ouvrage de référence intitulé « Enquête sur les apparitions de la Vierge », où il dresse une liste presque exhaustive des apparitions mariales dans l'histoire de l'Église. Le titre de sa conférence aujourd'hui donc ne nous étonnera pas, c'est « L'apparition de Pontmain, étude comparative ». Merci Père Renaud. Je lis donc textuellement le contenu de la conférence préparée par Yves Chiron. Pontmain, approche comparative. Les faits qui se sont déroulés dans le petit village de Pontmain le 17 janvier 1871 constituent pour l'historien un événement social auquel il peut donner diverses interprétations. Pour les croyants, c'est une apparition de la Vierge Marie, authentifiée comme telle par une reconnaissance canonique de l'Église. Quel que soit le jugement que l'on porte sur les faits, l'événement a des analogies avec d'autres événements du même type qui s'étaient déjà produits auparavant, à la Salette, à Lourdes et à bien d'autres endroits. Mais il présente aussi des particularités qui en font un événement unique. C'est donc un regard comparatif que l'on peut porter sur les faits de Pontmain. Quels sont les points communs et les différences avec d'autres apparitions qui ont lieu à cette époque ou à des époques antérieures ou postérieures? Et aussi, pourquoi cette apparition a-t-elle été reconnue comme surnaturelle par l'Église, tandis qu'elle ne s'est pas prononcée ou apportée un jugement négatif sur d'autres apparitions apparemment du même genre? La conférence comporte trois parties. La première s'intitule « Une apparition sans parole ». Sans rappeler le détail des faits, deux caractéristiques majeures sont à relever. À la différence d'autres grandes apparitions reconnues par l'Église, Lourdes, où il y a 18 apparitions successives de la Vierge, ou Fatima, où il y a 6 apparitions successives de la Vierge en 1917, à Pontmain, l'apparition de la Vierge est unique. Dans le grand cycle des apparitions mariales du XIXe siècle, d'autres mariophanies se déroulent en un seul espace de temps, à la Salette, le 19 septembre 1846, et à Knock, en Irlande, le 21 août 1879. Mais elles n'ont pas un schéma identique. À Pontmain, cette apparition unique se déroule en plusieurs phases. D'abord, les frères Barbedette voient dans le ciel une belle dame vêtue de bleu, puis, quand arrivent d'autres gens du village, il y a la célèbre inscription dans le ciel que d'autres enfants voient aussi. Puis dans une troisième phase, il y a l'apparition d'un crucifix rouge devant Notre-Dame, d'une étoile qui monte et qui va allumer quatre bougies dans la mandorle. Autre caractéristique, alors que l'apparition unique de la Vierge Marie à la Salette dure environ une demi-heure, à Pontmain, elle dure près de 4 heures et 2 heures à Knock. Cette grande différence dans la durée est due, me semble-t-il, écrit Chiron, à une autre caractéristique. À la Salette, la Vierge Marie délivre un long message, puis un secret à chacun des deux voyants. À Pontmain comme à Knock, l'apparition est silencieuse. Dans les deux cas, il n'y a pas de message verbal. Mais dans les deux cas, il y a une iconographie riche et, dans le cas de Pontmain,
une iconographie changeante. Il faut donc un certain temps au voyant pour bien comprendre ce qu'il voit et s'en imprégner. La durée de ce qui est vu compense l'absence de paroles entendues. Mais on reste bien dans le registre des apparitions, tel que le théologien jésuite Joseph de Tonquédec en donnait la définition d'effets extraordinaires de connaissances sensibles. Les faits de Pontmain sont bien une mariophanie, c'est-à-dire une manifestation sensible de la Vierge Marie. Elle a été perçue par le sens de la vue, mais pas, comme généralement, par le sens de l'ouïe. Les rationalistes réduisent les apparitions, de façon générale, à une illusion d'optique ou à un dysfonctionnement psychique, hystérie ou autre. Les croyants et les théologiens l'expliquent par une intervention surnaturelle. À Pontmain, la Vierge Marie s'est manifestée sensiblement en se montrant une seule fois et en délivrant un message écrit. La deuxième partie s'intitule donc « Un message écrit ». À Pontmain, le message qui s'affiche dans le ciel est court. J'ouvre les guillemets. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Les guillemets se ferment. C'est un message simple, compréhensible pour les jeunes enfants qui le lisent et facile à répéter dans son rythme ternaire, même s'il n'y a pas de ponctuation dans la phrase telle qu'elle apparaît dans le ciel. Priez mes enfants, Dieu vous exaucera, mon fils se laisse toucher. Sans faire une exégèse complète de cette inscription, on doit relever son incipit, mais prier. Ce mais a posé problème. Ce sera une des objections faites au début de l'enquête. Un discours ne peut commencer par mais. Cette conjonction adversative suppose une phrase, une phase antérieure. C'est une faute de grand-mère. Une des jeunes voyantes, Jeanne-Marie Le Bossé, répliquera qu'elle entend souvent la sœur institutrice dire à ses élèves trop dissipés « Mais étudiez donc !»« Mais étudiez donc !» De fait, dans le langage courant, commencer une phrase par « mais », c'est comme donner un ordre pour faire cesser une situation. Ici, devant le péril et la peur de l'avancée des Prussiens, la Vierge Marie incite à la prière, donc à recourir aux moyens surnaturels. On peut ajouter une autre considération. À la Salette, la Vierge commence à s'adresser en français aux petits voyants, puis, quand elle voit qu'ils comprennent mal, elle s'adresse à eux en utilisant le patois du Dauphiné, l'occitan alpin, disent les spécialistes. À Lourdes, elle s'adresse à Bernadette Soubirous en employant le patois bigourdan. À la Salette comme à Lourdes, c'est une condescendance céleste. Pour bien se faire comprendre des jeunes voyants peu instruits, la Vierge Marie se met au niveau de ses interlocuteurs. Elle leur parle un langage qu'ils comprennent. À Pontmain, la Vierge Marie étant silencieuse, elle n'a pas à utiliser le patois local. Mais dans l'inscription qui apparaît dans le ciel, il y a cette tournure populaire, une phrase commençant par « mais » comme pour insister sur la nécessité de prier dans le moment dramatique présent. Le message de Pontmain, par sa brièveté et par sa simplicité, a été largement connu et diffusé, d'autant plus que l'apparition a été rapidement reconnue comme authentique par l'évêque du diocèse. La grande popularité du message de Pontmain se mesure aussi, si l'on peut dire, dans ses contrefaçons. Des décennies plus tard, et à deux reprises, dans un contexte historique difficile, la Vierge Marie serait apparue délivrant un message proche de celui de Pontmain. Le 16 juillet 1933, à Crolon dans la Manche, deux enfants affirment avoir vu la Vierge, habillée, disent-ils, comme une reine, avec une couronne de roses blanches. Qui délivra un message très court, ouvrez les guillemets, « Priez, mes enfants, Dieu vous exaucera. » Les guillemets se ferment. La phrase fut aussitôt interprétée comme une allusion à de nouveaux temps, mauvais annonciateurs de malheur. En référence à l'Allemagne,
où Hitler est arrivé au pouvoir 6 mois plus tôt. Deuxième apparition, qu'on pourrait dire mimétique de Pontmain dans son message, celle de Beaudenoux en Bretagne à partir du 19 juin 1940. Alors que la France vient de connaître une cuisante défaite et commence à être occupée par l'Allemagne, des enfants voient la Vierge Marie, silencieuse, devant des nuages noirs. Puis le 20 juin, le lendemain, une fillette voit à nouveau la Vierge, cette fois accompagnée de Sainte Geneviève, de Saint Louis et de Jeanne d'Arc, qui délivre une seule parole « Priez, mon fils vous exaucera ». Dans les deux cas, les autorités religieuses, sans avoir besoin d'ouvrir une enquête canonique, ont conclu rapidement, après enquête, qu'il s'agissait de faits non surnaturels auxquels il ne convenait pas de prêter attention. À Pontmain, la simplicité du message fut un des éléments qui furent retenus pour considérer l'événement comme surnaturel. Ce même message, délivré à Crolon et à Beaudenoux, devient un indice négatif parce qu'il est une répétition de celui de Pontmain, presque dans sa littéralité. S'ouvre ici la troisième partie de la protection à la revanche. L'apparition de Pontmain appartient indubitablement à la catégorie des apparitions de protection. La Vierge Marie y apparaît comme protectrice d'un territoire ou d'une population face à un péril imminent ou déjà présent. En faveur d'une population menacée par une invasion ou une occupation militaire, ou confrontée à une épidémie ou à une calamité naturelle, elle protège, elle empêche ou elle fait cesser. Une des plus anciennes apparitions de ce genre connue est celle qui a eu lieu à Benevento, dans le sud de l'Italie, en 663. Curieusement, elle est quasiment inconnue en France, mais elle est très ancrée dans la dévotion populaire de la région des Pouilles. Elle est connue par la Vita Barbati, rédigée au IXe siècle. Benevento était le siège d'un duché. En 663, Constant II, l'empereur de Constantinople, débarque à Tarente, un port des Pouilles, pour récupérer le sud de l'Italie. Il vient avec ses troupes pour assiéger Benevento. Romuald, le duc, organise la défense de la ville, mais les Byzantins étaient plus nombreux. Un saint prêtre et prédicateur, Barbato, Saint Barba, exhorte alors la population à prier Dieu pour que la ville soit épargnée et que les Byzantins lèvent le siège. Puis, le 2 juillet 663, la Vierge Marie apparaît dans le ciel comme pour protéger et rassurer les Bénéventins. Elle apparaît sur un nuage blanc, les mains levées vers le ciel. Selon la tradition, Saint Barbato dit à la population « Je l'ai priée, elle vient à votre secours, gardez-la ». Les troupes byzantines, effrayées par cette apparition dans le ciel, levèrent alors le siège et l'empereur Constant se replia sur Naples. Suite à cette apparition de 663, Saint Barbato a été choisi comme évêque de la ville. Une chapelle dédiée à la Madonna della Libera, qu'on pourrait traduire par Notre-Dame de la Libération, a été construite et une statue représentant la Vierge dans son apparition a été sculptée. Le culte à la Madone de la Libération s'est répandu dans les villes et les villages environnants et il reste toujours très ancré aujourd'hui dans la dévotion populaire et dans le calendrier liturgique local. En franchissant les siècles, on peut trouver une mariophanie assez semblable en septembre 1914, lorsque la Vierge Marie est apparue dans le ciel au moment de la première bataille de la Marne, comme pour arrêter l'avancée allemande. Des articles sont parus dans la presse en 1917, rapportant plusieurs témoignages de soldats allemands. Et après la guerre, à la demande de l'évêque du diocèse, un monument commémoratif a été construit à proximité de l'endroit. Mais il manque encore une étude historique sur l'événement. Pontmain, apparition de protection donc, ne fut pas la seule apparition mariale dans le contexte dramatique de l'invasion de la France par les Prussiens en 1870 et de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne en 1871. Certains auteurs parlent d'une vague, voire d'une épidémie d'apparitions en Alsace-Lorraine à cette époque,
et cite, souvent de façon approximative, 6 ou 7 noms de lieux différents. En fait, on peut recenser une 12aine d'apparitions ou de supposées apparitions en Alsace et en Lorraine durant cette période. Les désastres de la guerre contre les Prussiens frappent tous les esprits et alarment particulièrement les populations alsaciennes et lorraines. Metz est assiégée à partir du 20 août 1870, Napoléon III capitule à Sedan le 2 septembre et Paris est assiégée à partir du 17 septembre. Metz capitule le 28 octobre. Plusieurs apparitions de la Vierge auraient eu lieu dans la région pour consoler et rassurer les populations. Le 9 novembre 1870, quelques jours après la capitulation de Metz, la Vierge Marie serait apparue dans la ville à une fillette de 8 ans sous les traits de Notre-Dame de la Salette. À Nancy, occupée par les Prussiens depuis le 14 août, la Vierge se serait manifestée à partir du 20 novembre et jusqu'en 1872. Dans la chapelle de la maison de secours, maison d'accueil pour les prostituées repenties, une statue de la Vierge placée aurait ouvert les yeux à plusieurs reprises et puis aurait pleuré, phénomène observé par plusieurs personnes. Monseigneur Foulon, évêque de Nancy, en dépit de ses préventions à l'égard des formes ultramontaines de piété, accueillit favorablement, en décembre 1870, la nouvelle. C'est par lui qu'est connue aussi l'apparition à Metz citée plus haut. On pourrait dire que ces deux mariophanies, sur lesquelles l'Église n'a pas porté de jugements officiels, sont des apparitions de consolation dans des circonstances particulièrement dramatiques. Après la fin de la guerre et dans les premiers temps de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'Allemagne, commencent des manifestations mariales qu'on pourrait qualifier d'apparitions de la revanche. À ce titre, elles sont déjà problématiques. Fait à relever, elles commencent le même jour, le 7 juillet 1872, en Lorraine occupée et en Alsace occupée. Et elles se terminent le même jour, le 7 juillet 1877. Avec, entre-temps, d'autres prétendues apparitions en d'autres lieux qui se déroulent au cours de l'année 1873. À Valbach, à Bettwiller, à Isenheim, à Reipertwiller, à Wittelsheim, à Giesing, à Rimling. Soit au total 9 lieux d'apparition dans l'Alsace-Lorraine annexée. L'interaction entre ces différents événements reste à établir de manière précise. On ne relèvera ici qu'une connexion entre Neubois et Valbach par un des voyants, Joseph Offert. Ce jeune homme, originaire de Valbach, vient en pèlerinage à Neubois, distant d'environ 40 km, à 2 reprises. Il y bénéficie à chaque fois d'une apparition de la Vierge les 3 et 24 février 1873. Puis à Valbach, le 26 février suivant, un adolescent, Xavier Ergotte, et un jeune homme, Émile Martin, voient la Vierge Marie. Le lendemain, d'autres enfants et Joseph Offert lui-même la voient à leur tour. Les faits se poursuivront. Les traits communs entre Neubois, Valbach et d'autres des lieux cités sont nombreux. Par exemple, à plusieurs reprises, la Vierge y est vue brandissant une épée en direction de l'Allemagne ou même frappant des soldats allemands. Image qui indignera la commission d'enquête sur les événements de Valbach instituée par l'évêque de Strasbourg. Le rapport de cette commission relèvera l'incongruité. En fait de glaive, écrit-elle, la Sainte Vierge n'a jamais connu que celui qui a transpercé son cœur. Jamais l'Église n'a placé l'épée dans la main de la Mère de Miséricorde, soit contre les pécheurs, soit contre les hérétiques, soit contre les infidèles. Fin de citation. À Neubois, à Valbach et ailleurs, les autorités d'occupation ont essayé à plusieurs reprises d'interdire les rassemblements et les pèlerinages en envoyant des troupes, tant la tonalité générale des messages était anti-allemande. À quoi s'ajoutait le climat d'hostilité envers l'Église catholique, caractéristique du Kulturkampf d'alors. Les autorités religieuses n'ont pas ouvert d'enquête officielle sur les faits nombreux de Neubois, mais l'évêque s'est fait envoyer plusieurs rapports par les curés successifs du lieu.
L'affaire s'embrouille quand on considère le nombre incroyable de supposés voyants et voyantes, 147 noms relevés par Gilles Lamer. Il faut prendre en considération aussi les 28 rétractations relevées par Georges Hirschfeld d'après les archives de l'évêché de Strasbourg. On pourra conclure avec ce dernier qu'il est, écrit-il, raisonnable d'affirmer qu'à Neubois, il n'y eut pas d'apparition dans le sens théologique du terme, c'est-à-dire des choses que Dieu fait voir par l'esprit ou par les yeux du corps. L'élan du peuple, par contre, fut sincère. Beaucoup qui crurent voir du surnaturel grâce à l'imagination surexcitée, grâce aussi à certains phénomènes naturels d'ombre et de lumière, surtout au crépuscule, furent également sincères. Fin de citation. L'Église a jugé très diversement ces apparitions ou ne s'est pas prononcée. Pour cette période, on constate une gradation dans l'attitude de la hiérarchie ecclésiastique, du silence au jugement canonique, approbation ou condamnation solennelle, en passant par la prise en charge pastorale discrète. Durant cette période, seule l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain a fait l'objet, après enquête canonique, d'un jugement officiel positif. L'évêque de Laval, Monseigneur Vicard, publie un mandement en date du 2 février 1872 qui affirme « Nous jugeons que l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, a véritablement apparu. » Fin de citation. L'apparition de la Vierge à Pontmain se caractérise par la clarté des faits et la simplicité du message délivré, sans extravagance. On y retrouve sans peine les critères positifs que fixera la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1978 dans ses normes procédurales pour juger de l'authenticité des apparitions et qui sont comme le résumé de la pratique traditionnelle de l'Église en la matière. Et la conclusion de la communication consiste à récapituler ces trois critères. Le premier, les qualités personnelles du ou des sujets, notamment équilibre psychique, honnêteté et rectitude de la vie morale, sincérité et docilité habituelle envers l'autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d'une vie de foi. Second critère, quant à la révélation, doctrine théologique et spirituelle, vraie et exempte d'erreur. Et enfin, le troisième et dernier critère, saine dévotion et fruits spirituels abondants et constants, par exemple, esprit d'oraison, conversion, témoignage de charité. Fin de citation et fin de la communication d'Yves Chiron. Je sais qu'une lecture, qui plus est par un autre que l'auteur, n'est pas nécessairement une intervention très, très agréable à suivre, à écouter, mais voilà, nous avons souhaité respecter le choix de l'auteur qui, n'ayant pu, pour les contraintes de la situation sanitaire que nous connaissons, faire le déplacement, a néanmoins souhaité partager avec les intervenants ici présents, avec le public qui nous suit à distance, le fruit de ses recherches et la préfiguration dans les grandes lignes de ce qui sera sa communication écrite, sa contribution dans la publication des actes du colloque. Et je rends la parole au Père Renaud, notre président de séance. Merci. Nous avons quelques instants pour peut-être échanger. Alors évidemment, il y a Yves Chiron n'est pas là pour répondre, mais nous pouvons commenter peut-être, voir les réactions que cela suscite. Moi, j'ai été très intéressé par cette conférence parce qu'elle nous montre bien comment le contexte est particulièrement important et comment parfois peut-être le contexte provoque ce qui est appelé des épidémies d'apparition. Il y a vraiment des temps, on a l'impression, et cette guerre de 70-71 avec la perte de l'Alsace-Lorraine est vraiment un moment de grand désarroi. Et donc, cette recherche de consolation fait que le phénomène d'apparition se multiplie, et d'où là la grande difficulté pour l'Église de pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie, parce qu'il y a effectivement à ce moment-là un travail à faire pour essayer de voir si ce n'est pas le,
le désarroi des personnes et le manque de perspective qui fait qu'on cherche une consolation dans le ciel. Voilà, donc on peut prendre quelques instants, si on veut, pour commenter cette belle conférence. Pour faire très brièvement écho à votre remarque à l'instant, il me semble qu'un des éléments qui vient conforter cette attention portée au désarroi, c'est le fait que les apparitions de revanche, alors je m'appuie très directement sur ce qu'écrit Yves Chiron, ces apparitions de revanche qui présentent un visage guerrier de la Vierge ont été assez rapidement et assez catégoriquement écartées, ce qui montre aussi que, du point de vue, me semble-t-il, de l'autorité ecclésiastique, il y a une incompatibilité entre la figure de la Vierge et une réaction peut-être un peu trop humaine que le désarroi peut expliquer à vouloir militairement se retourner contre, en l'occurrence, l'occupant. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui. Il y a quelque chose qui me semble particulier à Pontmain, mais peut-être que ça s'est passé ailleurs, c'est que l'apparition a lieu pendant la nuit. Et concernant l'ambiance qu'il y avait entre les voyants et puis les gens qui étaient là à la porte de la Grange Barbedette, je pense que le fait que ce soit la nuit a dû beaucoup compter. Est-ce qu'il y a d'autres apparitions qui ont eu lieu pendant la nuit ? Je ne sais pas. Effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a eu d'autres apparitions nocturnes ? Je ne crois pas. Oui, c'est une bonne remarque. Et je crois que c'est essentiel pour comprendre, comment dire, l'atmosphère, y compris de prière, qu'il y avait pendant cette période. La nuit peut être propice au recueillement, ça je veux dire. Bon, c'est une remarque, hein. Merci. Père Richer, vous vouliez dire un mot ? À ma connaissance, sous bénéfice d'inventaire, je ne connais pas d'autres apparitions authentiques de la Vierge qui se seraient déroulées la nuit. Mais ça serait à vérifier, effectivement. Hein. Mais auquel cas, si vraiment il n'y en a pas, effectivement, ça met particulièrement en valeur cette spécificité de la Mariophanie de Pontmain. Et bien sûr, parce que forcément, la nuit, effectivement, porte particulièrement à l'intériorité hein, dans ce contexte. On a une remarque sur Internet de notre professeur qui est en Belgique, qui dit qu'à Banneux, il y a eu une apparition la nuit. Voilà. Ah, c'est la nuit, Banneux. Je ne sais pas aussi. Où c'est. Il me semble qu'à la rue du Bac. Serait la première apparition qui se soit passée la nuit. À la rue du Bac, il y a une des apparitions qui se fait la nuit. La Vierge demande par l'intermédiaire d'un ange à Catherine Labouré de se rendre dans l'église et elle lui apparaît pendant la nuit, je crois. Hein, il faudrait vérifier. C'était à l'intérieur. Oui, c'était à l'intérieur, mais c'était la nuit. Oui, allez-y. Il me semble quand même que ce qui s'est passé rue du Bac, c'est d'abord une révélation privée. Il n'y a pas eu ensuite une enquête canonique qui a été faite par l'évêque avec un jugement. La reconnaissance a pris d'autres moyens, si on veut. Hein. La rue du Bac est reconnue aujourd'hui. Elle est reconnue, mais il n'y a pas de jugement canonique, disons, et d'enquête qui a été faite juste aussitôt après, si on veut. Ça s'est fait dans le temps, et ça a passé par la médaille miraculeuse, je pense. Allez-y. Merci, donc frère Thomas, des petits frères du Sacré-Cœur. Et cet angle de comparaison avec les autres apparitions me paraît très riche. Parce que vous êtes bien placé pour le savoir, Prêtre Liba, parce que dans le cœur de la basilique, il y a les vitraux de La Salette et de Lourdes. Et ce lien entre Pontmain, La Salette et Lourdes, et finalement la rue du Bac aussi, montre que c'est la même Sainte Vierge et qui continue un dessein. Par exemple, les catholiques de France étaient très frappés au début de la guerre de 70 par ces châtiments, par cette chute de l'Empire et puis cette suite de catastrophes, comme un accomplissement des prophéties de La Salette.
Mais en même temps, l'Immaculée Conception, c'est elle qui se révèle à Lourdes et qui vient au secours. Et je voudrais juste faire un autre rapprochement aussi avec la rue du Bac, puisque nous venons d'en parler. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, donc quand la Sainte Vierge a son entretien dans la chapelle de la rue du Bac, elle annonce des malheurs pour la France. Mais le moment venu, ne craignez pas, je serai là. Et la voyante, donc Catherine Labouré, se demande, mais quand est-ce que ça arrivera, ça? Et elle entend une voix dire 40 ans. 40 ans, juste, jour pour jour, et on a la déclaration de la guerre franco-allemande 1870. Il me semble que ces liens entre les différentes apparitions est très riche et peut-être à creuser. Enfin, voilà. Merci. On va s'arrêter là pour cette première intervention. Nous allons maintenant passer à une deuxième intervention, toujours sur ce thème de la Vierge et les Prussiens. C'est une intervention qui sera réalisée donc online par Madame Sylvie Manuel Barnet, que nous voyons nous ici. Alors, si vous le permettez, je vais vous présenter, Madame. Vous êtes docteur en histoire médiévale, maître de conférences en histoire religieuse, habilité à diriger des recherches au département de théologie de l'Université de Lorraine. Vous enseignez l'histoire de l'Église dans la perspective de sa longue durée, à la fois historique et théologique. Après une thèse d'histoire consacrée aux apparitions de la Vierge au Moyen-Âge et aux images de mémoire du langage visionnaire, vous avez consacré votre habilitation à diriger les recherches effectuées dans le cadre de l'EHESS à l'art de la mémoire comme outil de création des images de mémoire entre Moyen-Âge et époque contemporaine. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions du Cerf, du Seuil et de Gallimard sur l'histoire du culte marial et l'histoire de la prophétie, en particulier la femme, la Vierge, femme au visage divin. Vous préparez actuellement un ouvrage scientifique consacré aux images de mémoire dans les récits d'apparition de la Vierge. Et le thème de votre conférence aujourd'hui est « La Vierge, l'icône et le combat, Mariophanie, temps de guerre et vision de paix ». Bonjour à tous. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver grâce au miracle de la technique. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et que je parle suffisamment audiblement pour vous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, en particulier Cyril Daïdé et Jean-Louis Benoît, de leur invitation à cette manifestation publique donnée à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions. Et c'est donc précisément à la teneur mémorielle de cet événement que cette communication va s'attacher. Et donc je l'ai réintitulé « Ce souvenir de Pontmain, la mariophanie comme performance contemporaine ». En effet, il y a plusieurs manières de se souvenir à Pontmain. Seule apparition reconnue comme canonique parmi la kyrielle apparitionnelle des années 1870. La première est de plonger dans les strates de la mémoire historique du petit bourg en partant du présent pour rejoindre les passés. La seconde consiste à comprendre comment les voyants de Pontmain se sont souvenus de l'apparition en vivant un passé toujours présent. La troisième perspective consiste à renverser les temps afin que la mémoire du 150e anniversaire des apparitions se décline aussi au futur de son histoire selon une approche théologique de sa mise en récit littéraire. Le plan de cette communication s'ordonne précisément autour de ces trois axes qui vont donc constituer chacune de ces trois parties. Les mémoires historiques de Pontmain, pour commencer. Les pèlerins qui se pressent à Pontmain dans les mois qui suivent l'apparition mariale du 17 janvier 1871 et les heures sombres de la semaine sanglante de la Commune de Paris de mai 1871 relaient une tradition prophétique locale. Je cite « Quand Paris brûlera, le Pontmain se relèvera ». Cette prophétie en vers est transmise dans une culture de l'oralité.
et que les petits voyants ont déjà actualisé. On avait bien raison de croire que Pontmain redeviendrait une ville, constate Joseph Barbedette, l'un des voyants, en regardant la foule envahir le bourg dans les semaines qui suivent les faits du 17 janvier. L'abbé Richard, qui vient de cueillir ses paroles sur les lèvres de l'enfant de 10 ans, à la suite de son interrogatoire du 21 février, les réintègre au préambule historique qu'il rédige fin décembre 1871. Je cite « Il est une autre tradition plus répandue et universellement connue des habitants du pays. C'est que ce petit village de Pontmain, formé à peine de 12 maisons et qui fut autrefois une ville florissante, doit un jour sortir de ses ruines, du profond oubli où il était tombé, et reprendre dans le monde son importance et son renom d'autrefois. » Le préambule historique du premier historien de l'apparition, qui est l'abbé Richard, inscrit ainsi la mariophanie de Pontmain dans une temporalité prophétique. Il découle de cette histoire, de cette lecture, un enchâssement des temps. Le contexte historique de la guerre franco-prussienne de 1871 est plié sur celui de la guerre franco-anglaise de la fin du Moyen-Âge. Avec ses 12 maisons, le bourg de Pontmain est également ramené aux origines évangéliques de l'envoi en mission des 12 apôtres et des belles heures qui lui donnaient l'allure d'une Jérusalem providentielle. L'abbé Richard cherche encore dans les décombres du temps les signes passés de cet accomplissement futur qui sont comme autant de curiosités pour son préambule historique, comme le 19e siècle aime à les mettre au musée. Par exemple, le conte du coq qui grattera de l'or, la découverte dans les ruines du château de Pontmain d'un sceau contenant l'empreinte d'une vierge portant l'enfant Jésus, ou encore, écrit-il, la légende d'une grande princesse de la maison de France qui y enfanta un enfant roi. Dans les fermes, on compte toutes ces histoires des temps chrétiens enchantés, tandis que, si près, la guerre arrache aux mères les enfants des campagnes, et parmi eux le frère aîné de Joseph Barbedette. Ce sont des temps où le chant du coq ne sonne plus l'heure de trahir le Christ, comme dans la Bible, ni l'oriflamme français, comme dans les prophéties anti-françaises de la guerre de Cent Ans. Ce sont aussi des temps où la Vierge à l'enfant a déjà laissé son empreinte comme attestation de son passage dans l'autre foi des beaux récits. Ce sont encore des temps où les princesses sont réveillées par des princes pour donner naissance à un Christ roi qui ressemble à celui des espoirs légitimistes dans le maintenant des années 1870. L'abbé Richard emprunte ainsi au légendaire roulant des légendes médiévales et modernes sa part de rêves monarchiques et de naissances miraculeuses. Avant Pontmain, les récits de la Vierge du Puy ou de Cotignac ont par exemple déjà nourri au XVe et au XVIIe siècle les attentes de l'élection du roi et de la nation qui régneront sur le monde entier à la fin des temps. En 1871, cette lecture de l'histoire emprunte donc tout à la fois à l'exégèse médiévale, à la culture laïque et à la vision platonicienne la triple idée que la France du coq d'or de l'abbé Richard est guide et prédication, guerrière et victorieuse, grâce et lumière. Peut-être aussi que la seule homophonie du coq, avec la maison guide-coq au-dessus de laquelle les enfants voient la Vierge apparaître, le soir du 17 janvier, suffit à elle seule à ranimer cette chaîne mnémonique dans la mémoire historique de l'abbé Richard qui la ramène au présent de l'apparition. La culture de l'oralité relayée par la compilation historique de la première heure de l'apparition mariale est aussi celle de la mémoire vivante. C'est en effet celle des conteurs qui transmettent les récits du folklore. Mais c'est aussi celle de l'abbé Michel Guérin, nommé curé du hameau de Pontmain en 1836. Joseph Barbedette rapporte que le curé faisait un court suivi d'instructions pour expliquer les sacrements que sa mère savait par cœur, dit-il, et aurait pu continuer toute seule dès qu'elles étaient commencées. L'abbé a sans doute puisé son savoir-faire dans la mise en usage des procédés de mnémotechnie diffusés par toute une littérature de divulgation. Ces procédés structuraient fortement l'oralité pour en faire un instrument efficace et puissant.
comme toutes les familles paysannes, la famille Barbedette appartenait à une société aux lisières de l'alphabet, même si les enfants possédaient une assez bonne instruction élémentaire donnée au village par les sœurs adoratrices de la justice de Dieu, soutenues par le curé. 48 ans après les faits, au cours de la première déposition qu'il effectue à la deuxième session canonique, du procès canonique de l'apparition de Pontmain, un des sept voyants, Joseph Barbedette effectue une claire distinction entre souvenir et reconstitution. Et il va parler maintenant de la manière dont il se souvient de l'apparition. Deuxième partie. Il dit en effet avoir gardé le souvenir exact même des détails, je cite, du fait de l'apparition, tandis qu'il déclare, je cite, « pouvoir reconstituer exactement la journée du 17 janvier 1871 ». Comment donc trier dans les souvenirs? Rien ne distingue les souvenirs des autres moments, si ce n'est que plus tard, ils se font reconnaître à leurs cicatrices, dit la voix off de Chris Marker dans « La jetée », film de 1962. À la manière d'une cicatrice, le fait de l'apparition aura donc inscrit une marque qui fait surgir, pour ainsi dire, son accident au moment où le témoin réactive son souvenir. Il aura affecté son corps. Et de la sorte, la mariophanie du 17 janvier a imprimé une image de mémoire, ce que Joseph Barbedette, devenu oblat de Marie Immaculée, exprime avec son langage propre au cours de cette déposition de 1919. Mais dès 1891, dans son récit de voyant, il en parle comme d'un continuum. Je cite « Puissais-je retracer fidèlement ce que je vis alors et ce que je vois encore dans mon ineffable, dans mon ineffaçable souvenir ?» À l'opposé, Joseph Barbedette atteste que l'observation d'un phénomène céleste dans les nuées, 8 jours avant le 17 janvier, n'a causé en lui, je cite, « aucune impression ». Au contraire, la mariophanie a impressionné la mémoire de l'enfant de façon si vive qu'il puisse encore en décrire chacun des instants près d'un demi-siècle plus tard. Les voyants portent donc gravée en eux l'image de mémoire de l'apparition. Elle est comme le sceau portant l'empreinte de la Vierge du trésor de curiosité de Pontmain rassemblé par l'abbé Richard, c'est-à-dire une image qui entretient un rapport d'origine avec sa matrice. Pour décrire encore l'image de mémoire qui s'est impressionnée en eux le 17 janvier 1871, Joseph Barbedette, autant que son frère Eugène, insiste à souligner la fadeur de la plupart des images plastiques qui leur sont soumises. La seule apparition, la seule image matérielle qui soutienne, pour ainsi dire, aux yeux des voyants, la comparaison avec l'apparition, est une image définie comme miraculeuse par le Moyen-Âge chrétien. L'image de Notre-Dame du Bon Conseil, conservée à Genazzano en 1467. À partir du XIIIe siècle, la théologie scolastique assigne précisément à ces images la faculté d'être agissante, c'est-à-dire d'agir en étant en mouvement, se déplacer ou marcher dans les airs, et rire, et sentir, et saigner, et parfois pleurer. Dans l'acception scolastique de la fin du Moyen-Âge, l'image est définie comme miraculeuse lorsqu'elle rend vivante sa présence. Pour saint Thomas d'Aquin, l'image agissante, en latin imago agens, a non seulement pour but d'enseigner l'histoire sainte, première fonction de l'image, mais elle a aussi pour fonction d'agir sur la mémoire en venant frapper l'esprit de celui qui la regarde, afin que l'histoire sainte reste précisément dans la mémoire. Elle provoque en retour un affect de dévotion qui est la troisième fonction dévolue à l'image au Moyen-Âge, c'est-à-dire une émotion qui invite à une motion vers Dieu, à un déplacement vers Dieu. Thomas d'Aquin se réfère ici à la tradition rhétorique de l'art de la mémoire. Au Moyen-Âge, l'art de la mémoire est un art qui consiste à mobiliser de telles images agissantes, de telles images de mémoire, en les faisant venir de façon associative à l'esprit, afin d'apprendre à se souvenir. Cet art défait aussi l'idée que l'image de peinture est une imitation à plat de la réalité. Au contraire,
l'art de la mémoire cherche à montrer qu'une image de mémoire, qu'elle soit mentale ou picturale, est un lieu de remémoration du mystère de l'incarnation, à l'exemple des annonciations de Fra Angelico dans les années 1430. Aussi, dans la Legenda médiévale de Genazzano, littéralement « histoire à retenir », tout comme en son image picturale de 1467, il revient au nuage de révéler la fresque soudainement apparue sur le mur du sanctuaire, puisque les nuées s'espacent pour lui laisser place, afin de la désigner comme image de mémoire. Selon la Legenda de Genazzano, la peinture de la Vierge à l'enfant s'est translatée de l'Orient vers l'Occident, la présence turque étant alors vécue comme une menace après la prise de Constantinople de 1453. L'image miraculeuse sort des nuées selon un processus qui cherche à montrer qu'elle est faite de mains humaines, tout en n'étant pas faite de mains humaines, c'est-à-dire littéralement « acheiropoietos ». Acheiropoiet. Idem rimec à Lorette en 1472. L'enjeu de telles légendes qui accompagnent la description de semblables images de mémoire est théologique. Marie est la touchée de Dieu qui donne naissance à l'intouché des hommes, ce Dieu tout neuf qui se fait chair en elle et qui s'offre à l'aventure de la rencontre humaine. Les images de la Véronique ou du portrait de la Vierge peint par saint Luc sont de cette facture, assorties des six jolis récits racontant que le pinceau de Dieu en est l'artiste co-signataire. Les artistes médiévaux pensent en effet l'incarnation sur un mode qui cherche à traduire le motif d'une peinture se faisant seule dans une sorte de mouvement à la fois passif et actif. Et donc, on en arrive maintenant aux réminiscences de la vision, parce que, précisément, troisième partie, dans le présent réminiscent du voyant, la mariophanie fonctionne alors comme le motif d'une peinture se faisant seule, comme dans les images de l'art de la mémoire médiévale. Dans le récit d'un voyant, Joseph Barbedette dira simplement 20 ans plus tard « Voilà quelque chose qui se fait ». Le faire de la vision est en effet performatif. Il consiste en un mouvement que la pensée chrétienne décrit depuis saint Augustin comme le lien entre la parole divine et l'acte créateur tel qu'il est formulé dans la Genèse. Que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1:3. Dieu me, dit saint Augustin. Par exemple, dit-il, quand les anges accomplissent les ordres de Dieu, quand les vents alternent, quand l'univers déploie les siècles que Dieu avait comme repliés en lui lors de sa première création. Dieu est le moteur de toute mise en action de la création, pour saint Augustin, ainsi que vient également de le réaffirmer la constitution Dei Filius de Vatican I du 24 avril 1870. Aussi, la vision qui se révèle aux yeux du voyant semble-t-elle immédiatement comme en attente de son activation. Joseph Barbedette précise, je cite, « Rien, pas même le voile ne flottait au vent, qui du reste ne soufflait peut-être pas », dit le début du récit, précisant encore un peu plus loin. L'apparition n'avait pas fait un mouvement. Depuis le Moyen-Âge, l'image de mémoire est théologique. Le voyant de Pontmain devient donc dans ce même récit le transcripteur de l'acte créateur de l'Écriture sainte et du mystère déposé en la Vierge qui se rejoue en quelque sorte devant lui, le 17 janvier 1871. Il est mis en position de regarder ce théâtre dans une nuit, il est environ 5 heures du soir, qui devient alors comme un jour, tous les voyants le soulignent. C'est une véritable exégèse en acte qui se déploie dans le récit qu'en rapporte alors Joseph Barbedette. Ce sont par exemple les lettres de leur simple forme à leur agencement en mots qui semble déplier à elle seule la totalité du divin mystère. Je cite, « C'est un bâton, c'est une lettre, c'est un M. L'M resta seul quelques instants. » Le Moyen-Âge nomme « littératio » cette méthode consistant à décrire la Vierge d'après la forme des lettres qui composent son nom. À Pontmain, le processus créateur décide du dépliement de l'M en l'escortant du A, du I, du S. L'enfant précise «
que les lettres, je cite, apparaissent lentement, comme si une main invisible les eût tracées sans retouche avec un pinceau, soulignant alors la subtilité achéiropoïète du travail réalisé. Comme dans les manuscrits médiévaux à phylactères, tout se passe comme s'il était maintenant proposé au regardant voyant d'activer les lettres de l'alphabet en faisant ce qu'elles disent, autrement dit de les performer, je cite, « mais priez mes enfants ». Alors, les enfants prient ce « mais », constitué des lettres d'un verbe de Dieu qui prend le sens d'un adverbe, autrement dit, une façon d'aller vers le verbe, de se mouvoir vers lui, comme le dit le sens latin du mot « adverbe ». C'est cela, performer, faire un voir. La suite est alors révélée. Je cite, « Dieu vous exaucera en peu de temps. Son interprétation échappe à la révélation qui se performe et fuse déjà au sein de la foule qui assiste à la performance. » Je cite, « c'est fini, disait-on. La guerre va cesser, nous aurons la paix. » L'effet produit par le souffle qui meut ici les lettres révélées est également celui de la proportion harmonieuse. Comparée à sœur Vitaline, une des religieuses de la proche école, l'apparition d'abord grande comme elle devient ensuite, à la fin du chapelet, deux fois grande comme elle, dit le récit de Joseph Barbedette, qui ajoute que le cercle bleu qui était apparu initialement autour de l'apparition s'était, je cite, développé en proportion et que la personne tout entière restait toujours admirablement proportionnée. Dans l'exégèse mariologique de la scolastique, la beauté est définie par la proportion de ses formes ou commensuration qui fait équivaloir beauté de l'âme et beauté du corps de Marie. L'œil de l'enfant est comme blessé de tant d'amour et de beauté. Je cite, « Oh que c'est beau, oh que c'est beau !» L'expression revient à plusieurs reprises à la vue du sourire de Marie. « Oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle !» Dans un sermon daté sans doute de 1894, Eugène Barbedette, son frère, compare encore la beauté de la Vierge, je cite, à la parure brillante dont l'enveloppait pour ainsi dire cette fourmilière d'étoiles qui se multipliait sur son vêtement, décrit au point de départ de l'apparition de la couleur bleue qui fait bleuir le linge. La parure des images chrétiennes, dont les premières mentions sont attestées depuis l'Antiquité, et se répandent dans la Byzance des icônes, ne laissent souvent voir de la peinture que le visage et les mains derrière leur apparat d'or et d'argent. Le but de cette parure est de faire reliquaire pour l'image assimilée à une relique qui est la trace de la présence sainte. Aussi, ici, à Pontmain, il neige, pour ainsi dire, d'étoiles dans l'image de mémoire, comme il pleut de bleu sur la robe mariale en laquelle s'accomplit le mystère de l'incarnation devant la vision des enfants. Pour recueillir un tel mystère, le vêtement marial de la vision est en effet également décrit tel un vêtement féminin d'enfantement. Je cite, « Sa robe tombait sans ceinture et sans taille. Elle était simple, elle était ample. Les manches larges couvraient l'avant-bras et les mains. » Grand classique du vêtement mariophanique, les manches mariales ont pour fonction dans les récits médiévaux et modernes de faire connaître à l'homme la fraîcheur de Dieu et de faire connaître à Dieu la sueur de l'homme en remportant une part de l'agir humain qui achève la création. La Vierge est enceinte de Dieu. La robe de Marie semble donc à présent contenir la tunique sans couture, Jean 19, 23, du vêtement du Christ. Je cite « La robe ne portait d'ourlet ni en haut, ni en bas, ni aux manches, d'ici théologiquement Joseph Barbedette. » Alors, le sens de l'histoire sainte peut se déplacer dans l'expérience sensible et devenir collective. Je cite, « Plus de doute, c'est la Sainte Vierge, et cette pensée pénétrait tous les cœurs. Notre joie gagnait les assistants, ils riaient avec nous et pleuraient d'émotion. » Le récit réalise alors ce qu'il dit de façon quasi sacramentelle qu'en cessant de raconter l'incarnation, il devient lui-même le lieu de l'incarnation. Mon fils se laisse toucher. L'écriture du récit de révélation est aussi, pour ainsi dire, enfantée,
quand elle rend présente le mystère de l'incarnation. C'est que c'est ce que traduisent encore les mots suivants apparus dans le ciel et restitués dans le récit. Je cite « Un gros trait d'or de 8 à 10 cm soulignait cette seconde ligne qui se terminait sans ponctuation. La circonférence de Dieu est comme un point sans point. Comparé également dans le récit visionnaire au gros point semblable à un soleil qui se forme après le mot « temps ». La circonférence de Dieu se trouve aussi dans l'ovale qui se dessine autour de la belle dame, elle qui contient l'illimité que rien ne peut circonscrire. La théologie des proportions dessine à présent un rapport analogique entre le trait d'or de 8 à 10 cm de l'Annonciation, cité dans le récit, puis la petite croix rouge de 7 à 8 cm qui se forme sur le cœur de la Vierge. Au moment où le curé Guérin s'approche de la scène d'apparition, et la mandorle de 10 à 12 cm, dit le récit, d'un bleu plus foncé que celui de la robe qui se dévoile. Cette théologie délimite aussi, pour ainsi dire, une forme d'arpentage du mystère de l'incarnation qui pourrait quasiment se mesurer avec les doigts d'une main en centimètres. On entre dans ce mystère d'amour, dit l'épître aux Éphésiens, comme en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Car Éphésiens 3:18. Car c'est bien au lieu du Golgotha que conduit la Mariophanie de Pontmain, déplacée à présent dans un nouveau plan séquence, afin que puisse en être rejouée la scène. Je cite. En effet, dit le récit d'un voyant, une croix rouge haute de 50 cm environ parut un peu en avant de la très sainte Vierge, qui abaissa les mains pour la prendre et la tenir devant elle. Cette croix rouge haute de 50 cm semble comme diffractée l'ouverture du mystère à son amplitude maximale, si l'on compte en centimètres. Mais si l'on ajuste la hauteur de cette croix à la croissance de la taille mariale qui s'accroît sans cesse au fil du déroulé, alors son élévation est un abaissement, autrement dit une kénose. L'image de mémoire semble ici performer tout à la fois la conception virginale et la passion du Christ, vécue depuis le Stabat Mater, l'apparition passant maintenant du sourire à la tristesse. La condensation est extrême, comme dans les rêves. Il est d'abord effectué, dans le récit, une différence entre le rouge vif apparenté au rouge du sang artériel de la croix et le rouge sombre, rouge du sang veineux du Christ sur la croix, dit Joseph Barbedette, comme pour donner un corps vivant au Christ en lequel puisse circuler le sang dans le réseau qui l'innerve. Il est enfin donné d'arpenter comme un tableau d'Ecce Homo quand apparaît un croisillon large de 7 à 8 cm et arborant en lettres d'un rouge vif l'inscription majuscule « Jésus-Christ ». Entre-temps, la Vierge, dit le récit, je cite, « tenait la croix des deux mains doucement fermée et effleurant la robe à la hauteur de la ceinture, la main gauche au-dessus de la main droite. Marie aura ainsi entrouvert au voyant sa robe à la réalisation de l'incarnation et de la passion, puisque la phrase n'a pas de complément et que la grammaire en est divine. L'image d'apparition, inscrite de façon ineffable dans la mémoire des voyants, transporte donc aussi avec elle le futur de sa réalisation, de l'Annonciation à la Passion, puis la Résurrection. En chacun de ces détails, et le temps manque ici pour les visiter tous, c'est l'objet d'un livre en cours de réalisation sur les images de mémoire des apparitions, le récit de Joseph Barbedette est lui-même une parure. La Vierge peut s'y miroiter. Aussi, lorsque la vision referme progressivement chacun de ses déplis, elle est couleur des nuages qui la rendent à son origine achéiropoïète. Je cite « La banderole avec l'inscription disparut tout à coup, comme si un rouleau couleur du ciel eût passé. » Un voile blanc remplit le même office au moment où s'achève la prière du soir et que les enfants le voient lentement recouvrir l'apparition. Puis, dit le récit, que tout disparut subitement. Le passé mémoriel de l'abbé Richard
a rejoint le présent réminiscent des voyants et celui sacramentel et liturgique de l'abbé Guérin. Le temps de la prophétie de Pontmain se conjugue au temps de l'eschatologie, qui est celui de la fin des temps et de la cité céleste devenue terrestre. Conjuguée au passé, la Mariophanie de 1871 aura passé, comme on le dit, d'une image jaunie par le temps. Mais son antérieur contient aussi le futur de la vie de son image de mémoire, dans l'histoire collective qui devient patrimoniale lorsqu'il s'agit de célébrer déjà son 150e anniversaire. Merci. Un grand merci pour cette conférence qui nous a aidé à faire un pas de côté par rapport à tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent et à nous faire comprendre qu'une apparition ne se comprend pas que dans son environnement historique proche, mais dans une culture avec toutes les images qui peuvent être convoquées pour comprendre cette apparition. Alors moi, j'ai un certain nombre de questions. Il y en a peut-être d'autres dans l'Assemblée. Je vais tout de suite quand même donner la parole à l'Assemblée. S'il vous plaît, oui. Bonjour, madame. Donc, frère Thomas, des petits frères du Sacré-Cœur. Et je vous ai suivi avec grand intérêt. Simplement, une petite question de détail. Quand vous parlez de la petite croix rouge qui apparaît sur le cœur de la Sainte Vierge, vous évoquez le mystère de la Passion, mais qui sera évoqué par la grande croix rouge que la Sainte Vierge tient entre les mains. J'ai un petit aussi une accroche historique à propos de cette croix rouge. On retrouve la même, mais identique, avec les mêmes dimensions, au même endroit, sur le vêtement du porteur de la bannière du Sacré-Cœur à Loigny. Dans le musée de Loigny, donc un zouave pontifical qui a offert sa vie pour la France et pour Rome quelques jours avant. Est-ce qu'un rapport peut être fait entre les deux choses? Et puis, quelle signification a cette petite croix rouge tellement mystérieuse sur le cœur de la Sainte Vierge? Merci, frère, pour cette remarque très intéressante. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. La première chose, vous avez parlé, père, d'une culture hein, qui est celle des images de mémoire auxquelles j'essaye de faire résonner celle de Pontmain. Ces images de mémoire, elles se comptent par milliers. Hein. Il y a des milliers de récits qui vont les décrire, les raconter, les véhiculer, les diffuser tout au long d'un temps compris entre le 4e et donc le 19e siècle de Pontmain. Et il y a donc toute une culture mémorielle, toute une culture mémorielle qui sert à dire et à décrire et à raconter dans la mémoire notamment hagiographique le rapport entre l'homme et Dieu. Donc ce type de mention, ce type de figure, on le retrouve aussi bien dans le fait que vous citez, que dans différents récits, que ce soit au XIIe, au XIIIe, au XIVe, au XVe, au XVIe siècle, à chaque fois, bien sûr, il faut restituer les contextes d'inscription de telles images, et par ailleurs se défier de l'idée qu'il pourrait véhiculer systématiquement un même sens. Hein. Et je crois qu'une des grandes leçons du récit visionnaire médiéval, ce n'est pas de figer le sens en l'interprétant, c'est au contraire de l'ouvrir constamment et de le donner à lire en déplaçant constamment le mystère. Voilà. Ce que j'ai essayé de vous montrer avec la Mariophanie de Pontmain. Et donc, de ne pas clôturer le récit dans une interprétation qui ne lui appartient pas, sauf à être lui-même l'exégèse de son propre vocabulaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne vous entends pas ? Si, ça oui. Y est, j'ai repris la voix. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Alors moi, j'ai été très intéressé par cette idée d'image de mémoire, parce que finalement, je me demande toujours si est-ce qu'il y avait quelque chose de rétinien dans ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose de leurs yeux de chair, ou quelque chose s'est imprimé dans leur mémoire qui fait qu'ils aient pu garder, après toutes ces années, quelque chose d'aussi vif, quelque chose qui est tout le contraire du traumatisme, finalement, puisque c'est comme si tous leurs sens, finalement, avaient été éveillés ce soir-là, même si encore est-ce que les sens sont convoqués, et qu'ils ne pouvaient pas raconter, on dit ça des frères Barbedette, ce récit, donc partager cette mémoire sans pleurer. Hein. Donc, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose donc de... Voilà, la question est peut-être un petit peu simple, mais est-ce qu'ils ont vu quelque chose, ou quelque chose s'est imprimé dans leur mémoire ce soir-là? Alors, je ne peux pas parler à leur place, bien sûr, mais une image de mémoire, dans le tissu historique dans lequel elle s'inscrit, c'est toujours une mémoire qui va mobiliser tous les sens, puisque depuis Saint-Augustin, les sens conduisent au sens spirituel qui est le sens de Dieu. Alors, pour ce qui est de Pontmain, il faut remarquer que les sens ne sont pas anesthésiés, ils sont pour ainsi dire tous en correspondance. À un moment donné, je ne l'ai pas cité, mais il est dit que les voyants ne sentaient pas le froid, à la différence des petits-enfants, à la différence des assistants et du petit Eugène Fritaud qui est malade et qui lui sent le froid, le récit le précise, et doit être rapporté à la maison par sa grand-mère. Alors, sans jouer sur les mots, vous voyez que j'ai essayé de faire une différence entre un fait sur lequel on peut pas, l'historien ne peut pas porter le jugement de dire peut pas porter le jugement de dire ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé. Par contre, là où l'historien peut intervenir, c'est en parlant d'image de mémoire et en montrant comment l'image est suffisamment impressionnée, et là il y a tout un background culturel, suffisamment impressionnée pour qu'aucun des détails n'en soit oublié. Et de la sorte, dans l'histoire des apparitions de la Vierge, il est toujours parlé, entre le IVe et le XIXe siècle, d'une impression. Hein. Les images sont toujours impressionnées, elles ont toujours lieu sous la forme d'un moulage, sous la forme d'une ressemblance par contact, si on devait le dire autrement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un procédé inframince qui va séparer ce qui se voit de ce qui s'est impressionné, hein, si on devait le dire en des termes plus contemporains. Je renvoie ici à Marcel Duchamp. Merci beaucoup. Je vois que notre temps avance et que nous devons vous remercier pour votre présentation. Et voilà, je ne sais pas si vous restez avec nous. Alors, je vais rester. Bien, est-ce qu'il faut que j'éteigne mon micro? Alors, oui. Oui, voilà, je le disais. Alors, nous continuons notre après-midi et nous changeons un peu de thème puisque qui va débuter maintenant. Alors, mais en fait c'est dans la continuité, c'est le message et son interprétation. Nous aurons donc deux intervenants, tout d'abord Monsieur Jean-Louis Benoît et ensuite le père Étienne Richet. Alors il me revient de vous présenter Monsieur Benoît. Donc vous êtes professeur de lettres modernes, maître de conférences émérite en littérature et langue française à l'Université de Bretagne-Sud-Lorient. Votre domaine de recherche est la littérature française du Moyen-Âge, ainsi que les liens entre religion et littérature. Vous êtes en particulier spécialiste de la littérature mariale au Moyen-Âge, un genre littéraire qui a beaucoup contribué à développer la piété mariale et qui a retrouvé une actualité au XIXe siècle, justement avec les mariophanies. Et vous venez de publier les actes d'un colloque international de 3 jours que vous avez organisé à Rennes en 2019. Et le titre de la publication des actes de ce colloque est « Les miracles de Notre-Dame du Moyen-Âge à nos jours ». Et il circule dans l'Assemblée. Le titre de votre conférence aujourd'hui est « À l'école de Marie ».
Je remercie M. Daïdé de m'avoir invité à participer à ce colloque. Jésus est le même hier et aujourd'hui. Il le sera à jamais. Hébreux 13, 8. Dans son avant-propos, Louis-Marie Arignaud-Durand, à qui je rends hommage, rappelle la vérité intangible et immuable de la foi. Il ajoute « L'apparition de Pommain ne fait pas exception. Marie est là pour nous redire son fils. Redire. Est-ce inutile ?» Bis repetita. L'enseignement repose en partie sur la nécessité de la répétition en vue de l'apprentissage et de l'assimilation. Sinon, qu'en serait-il des conjugaisons, des tables de multiplication, des identités remarquables, des théorèmes ? Il en va ainsi à Pommain où Marie vient rappeler les vérités de la foi et l'urgence de la prière. Marie est un peu une maîtresse d'école ce soir de janvier 1871. Elle écrit sur le tableau du ciel. Elle épelle les mots qui s'affichent au fur et à mesure. Elle met la ponctuation d'un gros point lumineux à la fin de la phrase. Il faut dire qu'elle s'adresse à des enfants, qu'elle tient compte de leur niveau. Elle attend le curé, les religieuses, pour transmettre ce message. Il lui arrive de sourire et de s'amuser à battre la mesure de ses doigts. Comme les enfants qui répètent leurs cours, nous reprendrons des analyses et des interprétations déjà formulées pour les appliquer au-delà des siècles à notre époque. Cette apparition, au message minimaliste, sature de sens tous les signes et nous invite, au-delà des événements de circonstances, à élire notre destin actuel. Ce sera peut-être là la part vraiment personnelle de cette recherche, où je me comparerai, selon la formule de Bernard de Chartres, à un nain sur des épaules de géant. Les faits, il faut les rappeler inlassablement. Plusieurs enfants, Eugène et Joseph Barbedette, les premiers, aperçoivent une belle dame dans le ciel, juste au-dessus de la maison de Guy de Coq, qui fait face à la grange où il travaille. Retenons quelques phrases de la description et du récit que fait Joseph Barbedette. « J'avais aperçu au milieu des airs une dame d'une beauté ravissante. Elle paraissait jeune, 18 ou 20 ans, d'une stature assez grande. Ses vêtements se composaient d'une robe bleue très foncée. Sur cette robe étaient parsemées, sans ordre aucun, des étoiles d'or à cinq pointes très régulières, de même grandeur. Elles étaient peu nombreuses et brillaient, sans cependant émettre aucun rayon. La curieuse couronne de la dame, tel un diadème d'or, est divisée par un liseré rouge. Elle surmonte un voile noir. Cette couronne est conforme à celle d'une statue de la Vierge, profanée pendant la révolution de 1793 dans un village voisin de Mayenne, la Bazouge du désert. Signe d'une volonté de rappeler une histoire sanglante de persécution et de sacrilège que le ciel semble dans des moindres détails réparer. D'autres enfants vont venir confirmer la vision qui alerte toute la paroisse. Les signes s'accumulent et se prêtent à une explication plus ou moins concluante. Retenons d'abord les signes manifestes et leur interprétation. Marie apparaît dans la nuit glacée de ce petit village, situé à la limite de la Bretagne, à quelques kilomètres d'un sanglant champ de bataille où se joue le destin de la France, nuit de la détresse d'un peuple dans les ténèbres de la guerre, de la mort, du désespoir peut-être. On prie certes, mais Dieu semble ne pas entendre. Froidure de la nuit, silence de Dieu. À Pommain, Marie ne vient pas rompre véritablement ce silence, mais lui donner un sens. Le texte vient ponctuer ce silence sans le briser. La nuit demeure, mais s'ouvrira sur la lumière de l'aube nouvelle. Marie parle à des enfants. Elle utilise leurs connaissances scolaires. Elle écrit au tableau de la nuit. Elle se comporte comme une maîtresse d'école qui dicte et épelle son message en le soulignant, en le concluant d'un point d'or qui brille comme un soleil retrouvé. Elle s'adapte à son public. Les enfants retiennent mieux une leçon écrite que de simples paroles. On a le temps de réfléchir et de retenir la leçon. On attend, on espère, on fait preuve de patience entre les divers signes. Marie ne se presse pas. Elle respecte le rythme des enfants. Elle aurait pu faire apparaître directement la totalité du message. Non, elle préfère le laisser s'inscrire progressivement. Tout se fait dans le temps en une forme de dialogue. Elle est à l'écoute de ses enfants. Elle ne leur impose rien. Elle les encourage. Chaque prière amène une réaction miraculeuse. La Vierge ne demande jamais une prière particulière. Elle se contente de souligner l'intérêt de chacune de ses célébrissimes invocations à Marie. Il faut attendre l'arrivée de Monsieur le curé, l'abbé Guérin, pour que commence la scénographie céleste. D'abord, c'est l'inscription de cette petite croix rouge sur le cœur de la dame. Elle ne la quittera plus. La note de tristesse et de douleur est donnée. Impossible de ne pas y voir le rappel à la prophétie de Siméon. Quant à toi, un glaive de douleur te transpercera le cœur. C'est en même temps le dessin de cet ovale qui entoure la figure de Marie, ainsi que la disposition des chandeliers. La référence à une statue de l'Église sur fond étoilé est évidente. On peut y lire le rappel de son Immaculée Conception. Marie signifie sa reconnaissance à cette paroisse si pieuse et à son saint pasteur. Elle donne comme exemple de piété le village de Pommain. Bien entendu, il faut considérer le choix d'enfants pour recevoir ce message. Ce n'est pas l'unique fois où Marie choisit des enfants comme messagers. La principale raison est de suivre le précepte évangélique. Nul n'entrera au royaume de Dieu s'il ne redevient un petit enfant. Ici, c'est aussi une famille pieuse et laborieuse qui est prise comme exemple. Le récit de Joseph Barbedette est à cet égard très significatif. À l'initiative de Sœur Marie-Édouard commence le chapelet.
Il s'ensuit une glorieuse manifestation qui confirme la puissance de cette prière populaire, réclamée plusieurs fois à Lourdes et ailleurs par Notre-Dame du Rosaire. Voici que la figure de la Dame grandit et que des bouquets d'étoiles viennent s'accumuler sur sa robe et à ses pieds. Autant dire que le pouvoir de Marie se renforce avec cette prière du Rosaire. Le symbolisme des étoiles est central dans cette apparition. Ce n'est pas la première fois qu'elle joue un rôle dans la tenue de celle qu'on nomme Stella Maris, étoile de la mer, ou Stella Matutina, étoile du matin. Elle joue un grand rôle dans la tunique en tissu d'agave que porte Notre-Dame de Guadeloupe, apparue à un Indien, Juan Diego, au Mexique en 1531, le 9 décembre. Elle fait partie de ses vêtements et de ses images à chéropoïété, non faites de main d'homme. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur les étoiles de Pomain. Les souvenirs bibliques abondent. Il y a l'étoile guide de Noël, le plus évident est celui d'Apocalypse 12. Une femme apparue dans le ciel, elle est couronnée de 12 étoiles. Ces étoiles sont reprises dans la révélation de la médaille miraculeuse à la rue du Bac en 1830. Elles symbolisent les peuples et l'Église appelés à servir et à adorer le Seigneur. À Pomain, il s'agit de trois grandes étoiles que tout le monde a vues et qui encadrent Notre-Dame. Elles évoquent la tradition des icônes orientales, dans laquelle ces trois étoiles représentent la virginité de Marie, avant, pendant et après la naissance de Jésus. Elles sont aussi, bien sûr, un symbole de la Trinité. Marie, nullement divine, mais unie autant que peut l'être une créature immaculée aux trois personnes divines. Fille aimante et aimée du Père, mère du Fils, épouse de l'Esprit-Saint, comme même à le dire les poètes médiévaux. Toutes ces étoiles qui viennent décorer la robe de Marie et s'agglutiner à ses pieds illustre la grandeur et la puissance céleste, Dieu de l'univers, qui régit cette féerie telle une offrande à sa créature sans tâche. Elle représente surtout les âmes que les prières attirent vers elle. Avec le Magnificat va apparaître dans le ciel la banderole blanche sur laquelle s'inscrivent peu à peu les premiers mots bien connus, « Mes priez mes enfants ». On a remarqué que le bleu, le blanc et le rouge étaient les trois couleurs principales dont le sens est évident en cette fièvre patriotique. Suis-je le premier à noter que l'on trouve aussi le noir, voile, le jaune, étoile, et le rouge, sang du Christ. Elle ne déteste personne, pas même ses enfants d'outre-Rhin, alors adversaires de la France. Ce cantique de Marie, si souvent repris comme chant de louange et d'action de grâce, est salué par la naissance du message écrit. Elle accompagne alors la piété de ses enfants, leur rend hommage et les récompense. Même remarque pour les litanies qui, littéralement, déclenchent la poursuite du message. Dieu vous exaucera en peu de temps, ponctué par un point d'or. La fin heureuse du message coïncide avec les cantiques Inviolata et le Salve Regina. Mon fils se laisse toucher. Le premier appelle la virginité, la chasteté, la pureté immaculée de Marie. Vous êtes pure, chaste et sans tache. Ô Marie, vous êtes l'éclatante porte du ciel. Félix Celi Porta. Sa conception immaculée, sa virginité perpétuelle sont soulignées. Et surtout sa fonction de médiatrice, elle qui ouvre la porte du ciel, qui établit une passerelle entre notre monde et le monde de la vie éternelle. D'où le cadre céleste et stellaire de l'apparition. Louis-Marie Arinaud Durand note l'harmonie entre Marie et les hommes. Je cite, « Une profonde communion entre ce qui se passe dans le ciel autour de Marie et ce qui se déroule sur la terre, comme s'il s'agissait de deux liturgies qui se répondent l'une de l'autre en parfaite harmonie. » Le Salve Regina est particulièrement important dans cette catéchèse à deux voix. C'est alors que va s'inscrire la phrase clé si pleine d'espoir, « Mon fils se laisse toucher ». Le père Rivin, ancien recteur de Pomain, le note, je cite, « En relisant les gestes et les symboles de Marie en cette nuit du 17 janvier 1871, nous découvrons qu'elle fait le commentaire de ce motet grégorien très populaire. Il est vrai que tout est dit dans cette antienne « Salve Regina, Mater Miséricordiae ». Elle est reine du ciel et de la terre. Elle est surtout mère, comme le dit sainte Thérèse, de son divin fils, mais aussi de ses enfants d'ici-bas. Cela, depuis que du haut de la croix, Jésus l'a donnée pour mère à son disciple et à toute l'humanité. Voici ta mère. Elle est aussi pleine de miséricorde pour les pécheurs, et Advocata Nostra, notre avocate, auprès du juge suprême. Les prières les plus populaires de l'Église sont donc chargées d'une profonde théologie que Marie ne fait que souligner. Remarquons que ces prières sont le plus souvent des chants en latin. Elle parle couramment le latin, car il est admis que chanter, c'est prier deux fois. Elle aime la musique, ce qui n'a rien d'inconvenant. Les psaumes rendent déjà grâce à Dieu par la musique et la danse. Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le par l'éclat du corps, louez-le par la harpe et la cithare, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes. Psaume 150. Ici, c'est le beau cantique Mère de l'Espérance qui suscitera le sourire ineffable de Marie, elle qui, en bonne musicienne et en mère attentionnée, accompagne, dirige cet humble choral de ses gestes et de son sourire. À Pomain, plus qu'ailleurs, elle se montre maternelle dans les détails de la vie avec simplicité, familiarité et spontanéité. « Sois simple », dira-t-elle à la voyante de Pelle voisin quelques années plus tard. Cette joyeuse complicité ne dure pas. Avec le cantique « Mon doux Jésus » commence la phase pathétique de l'apparition. Marie est plongée dans une affligeante tristesse.
Son visage est si beau et marqué par une angoisse qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, dit Joseph Barbedette. C'est la pure souffrance d'une mère qui a perdu son enfant unique. Mais pire encore, qui le reçoit dans ses bras après le supplice auquel elle a non pas assisté mais participé. Singulière piéta, ici représentée par cette croix sanglante qu'elle tient dans ses mains, alors que résonnent les couplets émouvants de ce cantique qui demande pardon pour les péchés et les crimes que le Christ a lavés dans son sang. Je cite le cantique. C'est la phase clé de l'apparition. C'est là qu'il faut chercher la permanence du message de Pontmain. Il est en effet évident que la portée du message dépasse le cadre de l'événement. Certes, l'appel à la prière est rendu urgent par l'invasion qui menace. Dieu l'exauce un peu de temps. Il le prouve puisque l'arrêt des combats sera proclamé quelques jours plus tard et que l'avancée des Prussiens est stoppée aux portes de la Bretagne. La paix est signée. Certains y voient le signe que la Bretagne est chère au cœur de Marie et qu'elle cherchera toujours à la protéger des calamités de la guerre. Il va de soi que cette demande de prière est universelle. Dieu a besoin de nos prières, louanges, actions de grâce, pénitence, demandes. D'où la curieuse insistance de Marie qui commence son message par une insolite conjonction de coordination, mais qui suppose un implicite « vous ne priez pas assez ». C'est à tous les chrétiens d'hier et de demain que s'adresse cet affectueux reproche, cette exhortation, car les enfants de Pontmain et son admirable clergé prient déjà beaucoup. Il en va de même pour la croix. En cette tragique période de guerre et de défaite, chacun ce soir-là sait de quoi il s'agit. Il est bien question de prier et de faire pénitence pour soulager les souffrances actuelles. Cependant, les phénomènes portent aussi sur l'avenir. « Mon fils se laisse toucher ». Notons avec Hélène Bessière que cette dernière phrase, ligne n'est pas ponctuée. Elle ne se termine pas par un point. On peut en déduire que c'est un présent de vérité générale et non pas d'énonciation. On peut penser que Notre-Dame, qui ne fait aucune référence explicite à la situation du 17 janvier 1871, met en garde contre les dangers ultérieurs bien pires. Quelques jours plus tard, ce sera la défaite, le siège de Paris, la Révolution, la Commune avec ses profanations et l'assassinat de l'archevêque. Puis sera instaurée la Troisième République, la plus anticléricale qui fut, persécution des catholiques, séparation de l'Église et de l'État, saisie des biens, expulsion des congrégations. La haine du christianisme fait rage, mais priez mes enfants pour tout ce qui vous attend. Ce voile de deuil, Marie bientôt devra le remettre. Il s'explique aussi par tous les morts de la guerre 14-18, toutes les croix des morts, des blessés et de leurs familles. Marie est présente pour prévenir les souffrances et pour les partager, leur donner un sens. Elle porte à la croix de son fils sur le cœur et nos croix inévitables sur ses épaules. Maintenant, elle montre ce crucifix où est cloué son fils. Ce n'est pas un objet de piété. C'est un Christ et une croix toute sanglante qu'elle expose à l'humanité ingrate et pécheresse. Elle-même est liée à cette croix qu'elle montre après l'avoir regardée. À la rue du Bac, déjà, elle a voulu qu'on l'associe à la croix de son fils. L'inscription sur le titulus est différente de celle ironique et ambiguë de Pilate, Inri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et surtout, on peut y lire sur une grande et glorieuse banderole blanche, Jésus-Christ. Tout est dit. Jésus est le Christ, le Messie attendu par Israël et supplicié sous l'autorité romaine. Le Verbe de Dieu incarné, importance du trait d'union qui lie de manière indissoluble l'humanité et la divinité de Jésus. De nature en une seule personne, sans confusion ni division, il est vrai Dieu et vrai homme. C'est à une catéchèse élémentaire que se livre Marie. Elle rétablit la vérité. Elle-même se lie à la croix de manière intime et bouleverse sans dire un mot les enfants. Elle la porte, elle la montre, elle la partage. Elle est co-rédemptrice par la volonté de son Seigneur qu'il a voulu à ses côtés tout au long de son calvaire. Ce n'est pas un sosie qui a été crucifié, mais son fils. Contrairement à ce que pensent par exemple les musulmans, ils considèrent que c'est le sosie de Jésus qui a été crucifié. Elle ramène le culte qui lui est dû au culte primordial dû au Christ. En cela, elle se sépare d'une piété mariale trop centrée sur elle. Elle correspond tout à fait à la spiritualité conciliaire, par exemple, qui fait qu'on veut célébrer Marie en lien avec son fils, et non pas pour elle-même. Elle rappelle le prix de souffrance payé par le sang du Christ et par sa douleur de mère. Elle invite à la dévotion au précieux sang qu'elle expose avec une intense douleur. Les hommes sont responsables par leur péché de cette souffrance. Elle est avocate auprès de Dieu, auquel elle présente les prières requises. Elle est médiatrice auprès du seul médiateur, comme le dit Saint Bernard, médiatrice ad mediatorem. Le Seigneur aurait pu se passer d'elle, mais il a voulu l'associer librement à son incarnation et à sa rédemption. Elle apparaît dans le ciel, revêtue de la beauté et de l'amour de Dieu. Surmontée d'une étoile visible par tous, elle redit sa virginité perpétuelle à ceux qui en doutent, qui ont inventé contre Marie un mensonge atroce, comme le dit Mahomet dans le Coran. Une ignoble calomnie, dit le Coran. Il s'agit des calomnies concernant, qu'on trouve par exemple dans le Talmud de Babylone. Cette remise en question des textes de l'enfance de Jésus
a caractérisé l'exégèse historico-critique qui mettait en doute l'historicité de l'évangile de Luc. Ce n'est pas l'avis de René Laurentin, qui accorde un grand crédit à l'évangile de Luc, ni de Benoît XVI. L'étoile qui orne le front de Marie l'atteste. C'est déjà le cas dans la fresque de la catacombe de Sainte-Priscille à Rome. Elle date du IIe siècle. À Pommain, elle est très proche de ses enfants de la terre, mais elle reste au ciel, ouvrant une fenêtre temporaire sur le paradis où elle nous attend. La double couronne liserée de sang atteste des pouvoirs accordés par le Père. En somme, son corps glorieux venu du ciel prouve la nécessité du dogme de l'Assomption que Marie semble vouloir officialiser par l'Église. Mais l'essentiel du programme de Marie consiste en une pédagogie de la croix, selon l'excellente expression du Père Rivin. Sa tristesse et ses larmes ne sont pas réservées à cette seule nuit. Bien d'autres croix nous attendent. Toutes les souffrances du monde passent par le Christ. Il nous a appelés à porter la croix pour être ses disciples. Une couleur différente marque le sein du corps du Christ et le sang versé sur le bois de la croix. Il nous associe au mystère de la rédemption. Il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur, je cite l'évangile de l'Église catholique, le catéchisme de l'Église catholique, il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur, ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. Cela s'accomplit plus suprêmement à la personne de sa mère, associée plus intimement que tout autre au mystère de la souffrance rédemptrice. Comme l'écrit Sainte Rose de Lima, en dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle pour monter au ciel. On pourrait chanter « O crux ave spes unica » ou bien « au ciel, j'irai la voir un jour ». Un dernier point sur cette séquence de la croix. Tenant des deux mains ce crucifix, elle le montre au public. Tout le monde est dévasté et demande pardon. Elle appelle en effet à la conversion, à la méditation silencieuse. On ne parle pas de la croix, on la médite, on l'intériorise, à la prière et aussi à la pénitence. Appel angoissé d'une mère qui voudrait éviter à l'humanité les catastrophes des XXe et XXIe siècles, si loin de Dieu et si opposée à lui dans ses doctrines, son athéisme et son immoralité. Le sacrement de l'Eucharistie est évoqué avec force et amour dans ce geste de Marie proche d'une ostension. Appel de la mère de l'Eucharistie à retrouver la valeur et le sens de ce sacrement. Puisque ce qu'elle écrit, puisque les signes qu'elle donne, elle vient écouter ses enfants qui constituent une communauté priante dirigée par un saint prêtre, l'abbé Guérin. Théologie et piété populaire s'enrichissent mutuellement. Elle est avant tout mère de l'Église. Elle intervient pour rappeler la nouvelle loi écrite dans le ciel, une loi d'amour. Mon fils se laisse toucher. Je vous remercie. Merci Jean-Louis Benoît pour cette belle présentation du message de Pommain. Alors, vous nous avez fait comprendre qu'on ne peut pas s'en tirer juste en commentant les 16 mots qui se sont inscrits dans le ciel. C'est tous les détails, en fait, de l'apparition. Et des détails, il y en a, puisque ça a duré 3 heures et les enfants ont décrit. Et que c'est très riche théologiquement. Ce n'est pas juste une exhortation, prier, essayer de ne pas être pécheur. Il y a comme une histoire théologique, l'histoire du salut qui est redonnée là, et une histoire du coup qui n'est pas très enfantine. On aurait du mal à imaginer des enfants inventer un tel scénario théologique dans le ciel. Alors, cela va probablement susciter des réactions dans l'Assemblée. Je vous donne donc la parole, si vous le souhaitez. Je relaye une remarque qui nous a été adressée par Internet, par Jean-Luc Duvivier, qui dit, je cite, « Il me semble que Sainte Catherine Labouret, lors de l'apparition de nuit dans la chapelle de la rue du Bac, raconte avoir posé ses mains sur les genoux de la Vierge, établissant la réalité physique de l'apparition. Cela peut peut-être indiquer la réalité physique de Notre-Dame de Pommain aux yeux des enfants. » Et il ajoute qu'à Fatima, un autre élément pousse dans ce sens-là, c'est le fait qu'une odeur exquise a été ressentie sur le chêne après le départ de la Vierge et que cette odeur était sensible à tous. Voilà, la remarque qui est faite, pas vraiment une question, mais ça peut éventuellement susciter des réactions, soit parmi nos intervenants de la séance en cours, soit peut-être auprès de la salle ou auprès d'intervenants de la séance précédente. Oui,
Ça évoque la dualité des apparitions telles que l'a défini saint Augustin. Il parle de visio corporalis et de visio spiritualis. Il veut dire qu'il y a des apparitions qui sont des visions, si on peut dire, sans qu'il y ait une réalité matérielle de l'apparition, et puis des visions, et puis des apparitions où il y a une matérialité, corporalité même de la créature qui apparaît. Et bien des fois, effectivement, la Vierge Marie montre qu'elle existe en chair et en os dans ses apparitions, même si c'est un corps glorieux, bien entendu. Et en particulier lorsque Sainte Catherine Labouret pose sa tête sur ses genoux, eh bien, c'est vraiment sur des genoux qu'elle pose la tête, hein, ce n'est pas une image virtuelle. Donc c'est un problème théologique important. Et effectivement, à Pommain, les enfants ont eu l'impression que c'était vraiment une personne vivante qui était là, hein, pas simplement une image, je pense. Oui, donc frère Thomas, des petits frères du Sacré-Cœur, pour remercier infiniment le père, le monsieur Benoît, de son exposé tellement riche, qui m'a été une lumière, quand vous dites que le mai, priez mes enfants, eh ben c'est, oui, la guerre va finir, mais ce n'est pas encore fini. Vos épreuves ne sont pas encore finies, donc continuez à prier. Donc l'actualité du message de Fatima, avec tout ce qu'on a connu depuis depuis 1871, et encore actuel aussi. Donc merci beaucoup, monsieur Benoît. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ? Excusez-moi, je reviens sur le détail des deux croix blanches. Est-ce qu'on a une interprétation aussi, qui annonce l'avenir? Les voyants ne se prononçaient pas sur le sens de ces deux croix, mais est-ce qu'il y a des interprétations qui tiennent la route, entre guillemets? J'en propose deux, enfin, c'est pas moi qui les ai inventées. Hein. La première interprétation, c'est que Marie prend sur nous, sur ses épaules, toutes nos croix, et donc elle s'associe à la croix de son fils, mais aussi à nos croix personnelles. C'est une interprétation. L'autre interprétation qui est donnée par le père Arignaud Durand, c'est que ces deux croix évoquent les deux croix qui accompagnent la croix du Christ sur le calvaire, celle des deux larrons, le bon et le mauvais larron, qui sont indissociables de la croix du Seigneur. Alors voilà, c'est une autre interprétation. Oui. Oui. Tout en trouvant parfaitement légitime ces hypothèses sur les significations du message, et le frère François n'en voudra pas de faire cette remarque, concernant les deux croix blanches, s'il y a bien la volonté de rechercher dans les détails près une signification symbolique, il faut quand même savoir que, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, ces deux croix blanches apparues sur la silhouette de la Vierge de Pontmain ont été, dans une ferveur patriotique inattendue, identifiés comme étant l'annonce de la victoire de Joffre et de Foch. Ceci pour dire que, mais ça n'enlève rien, bien sûr, à la légitimité de ce qui précède. Il y a à un moment donné, dans la volonté d'interpréter le message surnaturel, quelque chose qui relève quand même de la fantaisie, voire même du délire, qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit tout à l'heure. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont proposées dans les phénomènes d'apparition mariale. Bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Louis Benoît. Nous allons donc maintenant passer à notre dernière intervention. Donc, c'est le père Étienne Richer qui va donc conclure notre série de conférences sur l'apparition de Pontmain, ce que l'on peut en dire, ce qu'on peut en comprendre. Père Étienne Richer, vous êtes docteur en théologie et en droit canonique, maître de conférences et ancien doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse. En théologie, vous enseignez la mariologie ainsi que la spiritualité. Vous êtes en particulier un spécialiste de Louis-Marie Grignon de Montfort, bien connu dans notre région.
Vous êtes aussi le président de la Société française d'études mariales, la SFEM, qui réunit tous les enseignants francophones en mariologie. C'est d'ailleurs lors du dernier colloque de la SFEM qui a eu lieu à Pontmain que vous avez pris vos fonctions. Le titre de votre conférence ce soir est « Quelques réflexions sur la portée et l'actualité théologique de l'apparition de la Vierge à Pontmain ». Merci beaucoup. Tout en exprimant ma très vive gratitude aux organisateurs de ce beau et riche colloque, c'est vraiment une joie pour moi de partager avec vous, sans prétention, mais avec conviction, quelques réflexions sur la portée et l'actualité théologique ecclésiale de l'apparition de Marie à Pontmain. Après le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima et le 70e anniversaire des événements de l'île Bouchard célébrés en 2017, suivi en 2018 du 160e anniversaire des apparitions de Lourdes, puis plus récemment, en novembre 2020, du 190e anniversaire de la médaille miraculeuse, ce 150e anniversaire de la Mariophanie de Pontmain, en ce mois de janvier 2021, constitue une nouvelle occasion d'approfondir notre compréhension du rôle prophétique de Marie en ses apparitions. À n'en pas douter, cet anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain méritait et mérite d'être le catalyseur tant de relectures historiques qualifiées que d'un regard renouvelé sur la portée et l'actualité théologique et ecclésiale de cette mariophanie. Les apports respectifs des historiens et des théologiens au sujet de la mariophanie de Pontmain et de son contexte étant le fruit d'approches complémentaires destinées bien sûr à s'enrichir mutuellement. La portée théologique et spirituelle de la mariophanie de Pontmain mérite d'être resituée au cœur d'une ample dynamique en forme de crescendo, celle que dès 1947-1948, le cardinal Jean Danielou, dans un article intitulé « La Vierge et le temps », qui n'a guère pris de ride, qualifiait de manifestation progressive de Marie dans l'Église. Rigoureusement documentée depuis par les travaux de René Laurentin et Albert Durand, l'apparition de Pontmain s'inscrit de facto dans ce phénomène de manifestation progressive de Marie dans l'Église, dans les diverses dimensions de son expression. Développement du dogme marial, découverte progressive de sa présence dans l'Écriture sainte, apparition mariale plus fréquente et plus éclatante, prise de conscience croissante du rôle de la Vierge dans le monde intérieur et caché de la sainteté. Chacune de ces quatre dimensions, pertinemment identifiées dans l'analyse proposée jadis par le cardinal Danielou, mérite d'autant plus d'être évoquée brièvement qu'elle se donne à percevoir à Pontmain de manière toute particulière. Et le premier point de mon exposé consiste justement à évoquer l'apparition de Pontmain comme un épisode insigne de cette manifestation progressive de Marie. Tout d'abord, la dimension des étapes de la via veritatis en matière de développement du dogme marial. Chacun sait que l'apparition de Notre-Dame à Pontmain a lieu 17 ans après la définition du dogme de l'Immaculée Conception par le bienheureux Pie IX. Mais qui se souvient aujourd'hui que le diocèse de Laval, érigé le 30 juin 1855 par le même pape Pie IX, est le premier diocèse au monde à avoir été consacré à l'Immaculée Conception. Le serviteur de Dieu Michel Guérin, desservant de Pontmain depuis 1836, puis son curé à partir de 1840, a su promouvoir avec un rare bonheur une vraie dévotion à l'Immaculée dans tout le village. À tel point que la gouvernante du presbytère dira que c'est grâce à l'abbé Guérin que la Sainte Vierge leur fait l'honneur de sa visite. Sans oublier que les voyants, au cours des événements, retrouvent dans les images qui défilent sous leurs yeux plusieurs éléments du cadre paroissial dans lequel s'est éveillée leur foi. Au début, comme à la fin de l'apparition, la Vierge se présente les mains abaissées et ouvertes dans un geste d'accueil, comme la Vierge de la médaille miraculeuse, mais sans rayon. Ce qui est une manière de rappeler
qu'elle est la première des sauvés. Sous les traits de l'Immaculée Conception, elle donne donc à contempler à la fois l'humanité sans la frustration du péché, resplendissante de l'empreinte divine et le fruit anticipé de la rédemption. Par sa seule présence, c'est donc à l'amour de Dieu créateur qu'elle renvoie, ainsi qu'à l'alliance qu'il offre à l'humanité en lui donnant son Fils. Cette manifestation de Marie, cette manifestation progressive de Marie dans l'Église, poursuivait Danielou, s'exprime ensuite par sa découverte progressive dans l'Écriture. En 1871, nous sommes encore bien en amont de l'impact du renouveau biblique sur celui de la théologie mariale. Il n'empêche que la mariophanie elle-même renvoie de manière impressionnante à nombre de lieux bibliques. En premier chef, à la vision de la femme couronnée d'étoiles du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, dont l'interprétation mariale n'est pas absente de la tradition vivante de l'Église, au moins depuis Bède le Vénérable au 7e siècle, et s'est vue considérée au 20e siècle par nombre d'exégètes catholiques comme ne pouvant pas être exclue, ce qui a été aussi réaffirmé par le cardinal Ratzinger, estimant qu'il ne serait pas correct d'exclure Marie, la mère du Rédempteur, de cette image. Ainsi que l'a souligné justement René Laurentin, l'apparition de Pontmain se présente comme un signe dans le ciel, une résurgence de l'Écriture, une actualisation saisissante du chapitre 12 de l'Apocalypse. Quant au message qui s'écrit dans le ciel étoilé de Pontmain, il est difficile de ne pas le lire comme faisant écho au verset du chapitre 10 de l'Évangile de Marc. On lui amena des enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. » La manifestation progressive de Marie s'exprime aussi, bien sûr, par les apparitions mariales plus fréquentes et plus éclatantes, depuis bientôt près de deux siècles, aujourd'hui, est-elle à la dimension qui retient, bien sûr, plus particulièrement notre attention à l'occasion du 150e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain. Notre-Dame est apparue à Pontmain 41 ans après les événements survenus rue du Bac, un quart de siècle après ceux de la Salette et 13 ans après les apparitions de Lourdes. L'événement qui eut lieu à Pontmain se prête d'autant mieux à une lecture théologique et spirituelle que l'authenticité de son caractère surnaturel, reconnu officiellement depuis le 2 février 1872, est hors de doute. Enfin, en même temps que visiblement la manifestation de Marie semble se faire plus éclatante, constatait le cardinal Danielou, dans le monde intérieur et caché de la sainteté, il apparaît toujours davantage que toute sanctification s'opère par une union filiale au fiat de Marie. Cette dernière, et non la moindre, des quatre dimensions de la manifestation progressive de Marie dans l'Église, consiste en effet en une prise de conscience toujours plus affermie de ce que l'expérience de filiation du chrétien doit inclure sa relation à Marie. Or, le fait est que rien ne tenait plus à cœur à l'abbé Guérin que de favoriser et d'entretenir cette dimension mariale de la vie filiale chrétienne. Notons d'ailleurs que Marie apparaît à Pontmain un peu moins d'une trentaine d'années après la redécouverte, en 1842, du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie Gagnon de Montfort, auquel, comme nous le savons, Saint Jean-Paul II empruntera sa devise « Totus tuus ». Si la redécouverte précitée du dit traité et par suite sa diffusion sont postérieures à la formation reçue par Michel Guérin au Grand Séminaire du Mans à partir de 1823, il n'en avait pas moins été formé à la spiritualité de l'école française et sa dimension mariale, et puisait généreusement aux sources des écrits mariales de Saint Bernard et de Saint Bonaventure. Sa devise personnelle « Rien sans Marie, tout par Marie » est particulièrement emblématique. Autant de constats qui n'ont rien d'anecdotique, tant il est vrai que l'apparition et le message de Pontmain intéresse l'intelligence théologique du mystère de la médiation maternelle de Marie.
au moment de l'ostension du crucifix, le regard de la Vierge montre qu'elle embrasse dans une même compassion le sacrifice de son Fils et la souffrance des fidèles. Sans porter de révélation inédite à son sujet, l'expérience pontamenoise de la maternité spirituelle de Marie est apte à en motiver et animer l'intelligence contemplative toujours à parfaire. Nous nous proposons d'en souligner quelques accents dont l'actualité théologique et ecclésiale ne manque pas d'être frappante. Et après avoir évoqué l'apparition de Pontmain en tant qu'épisode insigne de la manifestation progressive de Marie dans l'Église, je voudrais vous proposer maintenant, dans un deuxième et troisième temps, de passer du christocentrisme trinitaire de l'épouse de Dieu vivant à la force mystagogique du silence de Notre-Dame. Manifeste est le christocentrisme de la mariophanie de Pontmain. Elle parle de son Fils. Elle en manifeste la croix, c'est-à-dire l'amour, la souffrance, le sang, la rédemption, commente Laurentin. La prière que Notre-Dame appelle de ses vœux s'adresse à Dieu. Dieu vous exaucera. Et force de constater combien toutes les descriptions transmises par les voyants montrent la place centrale du Christ dans cette apparition. Il est celui qui intercède. Mon Fils se laisse toucher. Son évocation est symbolisée d'abord par la petite croix rouge sur la poitrine de la Vierge et plus encore par la grande croix qui apparaît ensuite devant elle. L'ostension du crucifix, sommet de l'apparition, rappelle que le Christ en croix est, pour le croyant, le prélude de la victoire sur la souffrance et sur la mort. Dans son livre « Une femme dans le cosmos », préfacé par le chanoine Paul Poulain, alors recteur de la basilique de Pontmain et primé par l'Académie française, l'écrivain Yvonne Estienne se fit chantre de ce christocentrisme de Notre-Dame de Pontmain. Et ce n'est aucunement forcer le trait que de discerner, comme le suggère entre autres aujourd'hui le dominicain Louis-Marie Arrigno-Durand déjà cité, la présence de la Sainte Trinité dans le message. Dans l'Esprit Saint dont allait le Temple, l'épouse du Dieu vivant rédige en silence un message en trois parties. Dieu le Père est présent dans la deuxième partie. Dieu vous exaucera en peu de temps. Le Fils fait l'objet de la troisième partie. Mon Fils se laisse toucher. Le Saint-Esprit est à trouver dans la prière exigée par la Vierge. Mais priez, mes enfants. Comment le pourrait-il, si ce n'est dans l'Esprit en lequel Notre-Dame en formule la requête par ces quelques mots inscrits dans le ciel. Monseigneur Paul Richaud, n'hésitez pas à discerner un symbole trinitaire dans le fait qu'il y eut en effet trois grandes étoiles que tous les assistants distinguèrent très nettement et qu'ils revirent les jours suivants. Elles formaient un triangle, écrit Monseigneur Richaud, dans lequel s'inscrivait la tête de la Vierge, probablement pour indiquer que Marie repose en la Sainte Trinité dont elle tire toute sa gloire. La Sainte Trinité semble vouloir la couronner elle-même, ce qui s'explique. Marie est la fille par excellence du Père des cieux, la mère du Verbe incarné, l'épouse du Saint-Esprit. Quant au fait qu'à Pontmain, la Vierge ne parle pas, cela nous semble d'une riche éloquence théologique et spirituelle que nous voudrions mettre en valeur. À l'exception des mots inscrits sur une banderole et du nom de Jésus-Christ en haut du crucifix qu'elle présente, les modes d'expression adoptés par Notre-Dame relèvent du langage non-verbal, de l'expression corporelle, notamment à travers son regard, son sourire, sa vestition, le mouvement de ses mains et de ses doigts, ainsi, bien sûr, et cela est indissociable, que d'un langage symbolique et paraliturgique d'une grande richesse à travers les étoiles, les couleurs, les bougies, les croix, le crucifix dont elle fait l'ostension. À la différence de ses autres apparitions, la Vierge n'a pas fait entendre le son de sa voix à Pontmain. La meilleure communication de crise n'est-elle pas la plus sobre? Celle qui est la bouche silencieuse des apôtres, comme le chante l'hymne acatiste, rayonne par sa présence. Et l'attitude royale de Notre-Dame de Pontmain entre ciel et terre a pu être comparée
à une icône gracieusement animée pour donner sa leçon de choses au monde de l'Orient comme de l'Occident. Les voyants sont d'autant plus ravis par la beauté qu'elle donne à voir que dans le ciel de Pontmain, tout se fait en silence. Sans aucun bruit se forme la mandorle qui auréole entièrement la dame et la petite croix rouge qui paraît sur son cœur. Sans bruit se multiplient les étoiles de sa robe et viennent se ranger sous ses pieds celles du ciel. Égal silence lorsque s'inscrivent les paroles du message, lorsque Marie prend à pleine main le grand crucifix. Silence de l'étoile partie du bas de la mandorle pour allumer les quatre bougies et de la croix blanche qui se plante sur chaque épaule de la Vierge et du voile qui monte de ses pieds jusqu'à sa couronne. Silence de la tristesse et du tremblement de ses lèvres, silence de son doux sourire et des gestes de ses mains. Majestueux silence de la nuit, des astres et de cette dame belle, si belle, tellement aimable. Le silence de Notre-Dame à Pontmain place les voyants comme au carrefour de la Via Veritatis et de la Via Pulchritudinis, parce qu'ils participent de la splendeur de la vérité dont elle est la mère. Ce qui n'avait pas manqué d'inspirer au futur cardinal Paul Richaud, alors évêque de Laval, une méditation proposée à l'occasion du 75e anniversaire de l'apparition, en 1946, dans un opuscule intitulé « Le mystère de Pontmain ». Plus récemment, à la question « Pourquoi Marie ne parle-t-elle pas ?», ce qui rend unique l'apparition de Pontmain, le dominicain Louis-Marie Arignaud-Durand suggère plusieurs niveaux de réponse que nous n'hésiterons pas à faire nôtres. Tout d'abord, le silence de Notre-Dame donne à ses gestes une force inouïe afin de montrer le Christ au monde. Ensuite, choisissant de ne pas parler, la Vierge laisse l'initiative aux enfants, puis aux villageois, et enfin à nous qui nous intéressons à Pontmain. Et elle demeure ainsi véritablement libre de ce qu'elle veut communiquer aux voyants, sachant qu'elle ne vient pas jouer un rôle ou réciter un message, et qu'elle veut exprimer également une étroite proximité avec les enfants. Cela est d'autant plus vrai qu'un message inscrit dans le ciel est une belle manière d'honorer et de valoriser les enfants qui ne sont pas analphabètes et apprennent à lire à l'école tenue par les religieuses. Finalement, si Marie ne parle pas, c'est pour encore mieux dire ce qu'elle a à nous communiquer. Elle ne parle pas parce qu'elle dit Dieu et que Dieu est indicible. Sans dire un seul mot, elle rappelle l'essentiel de notre foi. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est mort sur la croix pour notre salut. Le silence de Marie n'est-il pas supérieur au charisme? Une chose est sûre, son silencieux témoignage rappelle aux missionnaires qu'ils n'ont pas à exposer une idéologie, une quintessence de doctrine, mais bien à proclamer une parole faite chair. Il est la garantie d'un concret sans lequel l'événement s'évanouit, écrivait le jésuite André Manaranche dans un livre intitulé « L'esprit et la femme ». À Pontmain se vérifie et se donne à percevoir combien la Vierge nous redit de sa silencieuse manière que le don du Père est un fils, non un concept. Donc que l'apostolat est un engendrement, non un lancer d'hypothèses. Ce que l'abbé Guérin avait si bien compris en son temps. À cet égard, la mariophanie de Pontmain est revêtue d'une actualité particulière si l'on considère que l'importance du rapport entre silence et parole requiert d'être particulièrement soulignée aujourd'hui, tant dans la société médiatique que dans l'Église. Le pape Benoît XVI s'est souvent exprimé au sujet de ces deux éléments essentiels et partie intégrante de l'action de communiquer de l'Église pour un renouveau de l'annonce du Christ dans le monde contemporain. La consonance des termes de son message pour la 46e journée mondiale des communications sociales avec ce qui a été vécu durant l'apparition à Pontmain est frappante, je cite. Dans le silence se saisissent les instants les plus authentiques de la communication entre ceux qui s'aiment. Le geste, l'expression du visage, le corps comme signe qui révèle la personne. Dans le silence, la joie,
les préoccupations, la souffrance, parle et trouve vraiment en lui une forme d'expression particulièrement intense. » Fin de citation. Dans le même sens, et d'un point de vue plus spécifiquement théologique, à bien y réfléchir, une note d'actualité particulière se trouve aussi conférée de nos jours à l'apparition de Pontmain, depuis que le pape Benoît XVI a exhorté les chercheurs à approfondir toujours plus le rapport entre la mariologie et la théologie de la parole. Marie n'est-elle pas, à la fois, la figure de l'Église à l'écoute de la parole de Dieu qui en elle s'est faite chair, et le symbole de l'ouverture à Dieu et aux autres, de l'écoute active qui intériorise, qui assimile, et où la parole divine devient la matrice de la vie. Ne s'agit-elle pas de celle dont le silence écoute et fait fleurir la parole, à l'instar du Magnificat, tissé de fils de l'Écriture sainte, entonné par les villageois de Pontmain, et accompagné de la silencieuse allégresse digitale de Notre-Dame. Indissociable de son expression corporelle gestuée, symbolique et paraliturgique, si le silence de Marie et la mariophanie de Pontmain convoquent par suite tout à la fois la théologie de la parole et la théologie du corps, c'est bien sûr parce que Notre-Dame témoigne du mystère de l'incarnation rédemptrice. Selon une expression de saint Jean-Paul II, du fait que le Verbe de Dieu s'est fait chair, le corps est entré par la grande porte dans la théologie. En vertu de son fiat, Marie est devenue corporellement la mère du Seigneur et le corps du Christ lui a été donné par elle. Et puisque ce fait biologique est réalité théologique, précise Joseph Ratzinger, parce qu'il est la réalisation du contenu spirituel le plus profond de l'Alliance, il s'ensuit qu'il ne saurait exister d'approfondissement du rapport entre théologie mariale et théologie de la parole qui ne concerne aussi celle du corps. C'est pourquoi la foi véritable ne peut se contenter d'être une pure acoustique au détriment d'une esthétique. Une vérité que la geste de la mariophanie de Pontmain et son esthétique théologale donnent à contempler en un regard de foi et d'espérance. Au jugement de Mgr Richaud, la dernière phrase de la miraculeuse inscription de Pontmain semble être une réplique des révélations de Parlemonial. Mon fils se laisse toucher, écrit Mgr Richaud. Voilà qui laisse entendre les tendresses et les miséricordes du cœur sacré de Jésus. Quand on dit que quelqu'un se laisse toucher, il s'agit de son cœur. Or, la miséricorde n'est pas autre chose qu'un cœur qui se laisse émouvoir par la misère. Il faut croire que c'est là un enseignement bien important, le fondement profond de toute notre espérance. Car un grand trait doré vint souligner cette troisième partie des paroles miraculeuses, disposées d'ailleurs sur une ligne séparée. Fin de citation. À la faveur de cette interprétation qui convoque la théologie du cœur, s'inscrit le fait qu'en attendant l'arrivée de l'abbé Michel Guérin au lieu de l'apparition présumée, sœur Vitaline, religieuse institutrice, avait pris l'initiative de faire prier ce que l'on appelle le chapelet des 26 martyrs japonais, canonisé par Pie IX le 8 juin 1862. Cette dévotion, promue dans tout l'ouest de la France par les frères des écoles chrétiennes de Saint-Brieuc après la canonisation, consistait à réciter 26 fois sur les petits grains d'un chapelet rouge la brève invocation « Mon doux Jésus, miséricorde, doux cœur de Jésus, soyez mon salut ». Que la mariophanie de Pontmain elle-même soit l'écrin d'une pédagogie de la prière et de l'espérance dont elle est la traduction a été maintes fois mis en valeur à bon escient par les commentateurs. À cet égard, il est significatif que la basilique de Pontmain fut consacrée à Notre-Dame de l'Espérance et qu'à ce vocable fut associé celui de Notre-Dame de la Prière, titre donné en 1897 par Léon XIII à la Vierge de Pontmain. L'actualité de la dimension communautaire et ecclésiale de cette école de prière que constitue l'apparition de Notre-Dame à Pontmain mérite d'autant plus d'être mise en valeur à titre de point d'orgue. Et je conclurai de cette manière en évoquant Pontmain comme une Pentecôte continuée. Parmi les traits caractéristiques de la prière durant toute la veillée et au cœur du message marial du 17 janvier 1871 à Pontmain, force est de constater la dimension communautaire à laquelle Notre-Dame elle-même prend une part active et exemplaire.
à tel point que Renaud Laurentin estimait que Pontmain et sa liturgie spontanée en cette nuit d'hiver réalisent à la fois une résurgence de ce qui était né spontanément au Cénacle, lorsque les apôtres et les disciples persévéraient dans la prière avec Marie, mère de Jésus, dans l'attente de l'Esprit-Saint, et aussi celle des veillées de l'Église primitive à l'exemple du Christ. L'Église du Christ n'est-elle pas appelée précisément à sortir du Cénacle sans jamais le quitter, puisque sa mission consiste à donner, comme Notre-Dame à Pontmain, la communion à Jésus dans l'Esprit-Saint. Mère de l'Église, depuis qu'elle assista au Cénacle, les apôtres recevant le Saint-Esprit, elle en est aussi le premier membre. De nos jours, Pontmain représente une Pentecôte continuée entre la rédemption qui nous sauve et le ciel qui nous attend, mais une Pentecôte qui réclame notre collaboration, écrivait Yvonne Estienne à l'époque du Concile Vatican II. Le fait est que c'est le Saint-Pape Jean XXIII qui avait présidé, alors qu'il était nonce apostolique à Paris, la célébration du 75e anniversaire de l'apparition de Pontmain en 1946. Et c'est lui qui appellera de ses voeux comme une nouvelle Pentecôte en vue d'un nouveau printemps de l'Église. À Pontmain, au soir du 17 janvier 1871, toutes les générations et tous les états de vie sont représentés. Jeunes enfants et adultes de tous âges, laïcs, religieuses et curés du lieu, chacun à sa place, dans une juste articulation entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, sans qu'il n'y ait d'espace sous le regard de Notre-Dame pour les grimaces du cléricalisme et du laïcisme. De quoi faire rêver les promoteurs d'une ecclésiologie de communion qui a souvent tant de mal à se concrétiser. Le jésuite André Manaranche écrivait en 1974, année de publication de l'exhortation apostolique du pape Paul VI sur le culte marial. Il est vrai de rappeler que le sacerdoce a pour mission de rassembler l'Église dans la prédication commune et le partage du pain. Mais Marie est la cohésion vivante du peuple de Dieu. La prêtrise suppose la science et l'exercice de la parole. Elle évitera de jacasser en plongeant dans le recueillement marial. Fin de citation. À n'en pas douter, le contexte paroissial de l'apparition et les interactions entre les diverses conditions de vie et générations impliquées demeurent riches de significations ecclésiologiques et pastorales à l'heure où la Congrégation pour le clergé vient de rendre publique une nouvelle instruction sur la conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église, document paru le 8 juillet 2020. Et le fait que de nos jours, les chrétiens doivent apprendre ou réapprendre à résister avec justesse au danger de voir l'expression de leur foi cantonnée dans la seule sphère privée, au risque de s'en trouver démonétisée, ne confère-t-il pas aussi à la dimension communautaire et ecclésiale de la mariophanie de Pontmain une note particulière d'actualité? Autant d'invitations à prendre au sérieux ce qui a été exprimé avec simplicité et profondeur par le poète académicien François Scheng au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous n'oublions pas qu'il s'agit de Notre-Dame et donc d'une présence maternelle. Ou pour le dire avec les mots de Joseph Barbedette, l'un des jeunes voyants de Pontmain, entré 12 ans plus tard chez les Oblats de Marie Immaculée. Nous n'oublions pas qu'il s'agit de Notre-Dame, et donc d'un regard de mère, plus heureuse de nous voir que nous ne l'étions de la contempler. Je vous remercie. Un grand merci, Pierre, Père Étienne Richer, pour cette présentation très riche, très articulée aussi. Vous nous avez vraiment fait toucher du doigt le fait que cette apparition rejoint des grands thèmes théologiques, tels que la Trinité, bien sûr, la centralité du Christ dans la foi, aussi l'articulation entre la parole et le silence. Et puis le dernier thème, cette Pentecôte qui n'est jamais finie. Alors vous avez abordé un petit peu le thème de l'ecclésiologie. J'aimerais bien
vous posez, enfin vous, vous demandez de déployer un petit peu, parce que il me semble que cette apparition de Pourmain, puisqu'on on compare beaucoup les apparitions cet après-midi, hein, soit la seule où l'Église soit présente. Si on prend la Salette, par exemple, on n'a que deux petits bergers qui sont dans la montagne, dans les Alpes. À Lourdes, on a une foule, mais le curé n'est pas là, les religieuses ne sont pas là, il y a beaucoup de curieux. À Pourmain, on a tout le monde. On a monsieur le curé, on a les sœurs institutrices, on a les papas, les mamans, et tout le monde en prière. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose quand même de très fort au niveau du rôle de Marie par rapport à l'Église? Effectivement, et comme recteur actuel de Pourmain, vous êtes particulièrement sensible effectivement à cette dimension, et on le comprend. Moi, ce qui me frappe, c'est justement dans les récits que nous avons, dans les témoignages que nous avons, c'est le fait que chacun, quel que soit son âge, quel que soit son rôle dans le village, chacun semble à sa juste place. Et une des preuves, c'est que même le plus réfractaire à vivre une soirée de prière ce soir-là, hein, le gars Gabin, hein, qui arrive avec d'autres sentiments, surtout qu'il est informé, il sait que, comment dire, que les Prussiens sont aux portes de Laval, a priori, ça ne le porte pas spontanément à la dévotion, celui-là. Et ce qui me frappe dans les témoignages que nous avons, hein, c'est quand quelqu'un lui dit, hein, mais même s'ils arrivaient à Pourmain, nous n'aurions pas peur, eh bien, il écoute. Il est capable d'écouter et de participer lui-même à la soirée de prière qui se déroule. Or ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est-à-dire quand, dans une communauté paroissiale ou autre, les uns et les autres, dans la diversité de leurs âges, des générations et des rôles et des fonctions et des charismes, sont capables de s'écouter, c'est un avant-goût du ciel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ? J'ai été très impressionné par cet exposé que vient de nous proposer le père Étienne Richer, que je continue malgré tout à considérer comme un exposé de théologie militante et justifiée. Je trouve que malgré tout, ça peut cohabiter, enfin cette démarche peut cohabiter avec une approche laïque ouverte du phénomène de Pourmain, et qu'en particulier, je distingue moi aussi le laïcisme intégriste et restrictif d'une approche laïque respectueuse. Et qu'en particulier, contrairement à ce que vous avez sous-entendu, ce n'est pas démonétiser la croyance que de vouloir qu'elle reste dans une sphère privée. Elle est quand même, je pense, elle fait partie d'un périmètre qui ne peut se justifier que dans une démarche de foi et de croyance, et que, à mon avis, ça n'est pas du tout la démonétiser ou la dévaloriser que de se soucier de ce périmètre plus restreint. Voilà ce que je veux dire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai parfaitement compris. Mon propos ne se situe pas du tout, je dirais, dans un propos de théologie militante. Il se situe bien sûr parfaitement dans un propos de théologie confessante. Il faut dire que la théologie qui n'est pas confessante, ça n'est plus de la théologie. Mais pas militante au sens agressif, en aucune manière. Et donc, par conséquent, le type de lecture que j'ai proposé est bien sûr tout à fait compatible, hein, avec des lectures historiques, hein, et ce sont des apports complémentaires. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il n'y a pas lieu d'opposer outre mesure, hein, les interprétations mettant l'accent sur le sens circonstancié de l'apparition dans le contexte historique et politique franco-prussien en lequel elle s'inscrit, hein, et celles qui valorisent le sens universel et pérenne de la mariophanie de Pourmain et de son message. Sur le dernier point de votre intervention, hein, bien sûr... Hein, bien sûr,
un propos d'interprétation théologique qui se situe toujours dans la lumière de la foi, puisque la théologie, c'est un effort humble d'intelligence de la foi et de ce qui la concerne. Et la Mariophanie de Pont-de-Main concerne bien sûr la foi. Ceci dit, restreindre l'exercice de la foi à la seule sphère privée, sur ce point, je suis en profond désaccord. Car il doit y avoir place pour une expression publique de l'expression de la foi, bien sûr, dans le respect de ce qui est requis. On va tomber d'accord très vite, mais simplement, on ne pouvait pas échapper à la fin de ce colloque de mentionner cette problématique qui est quand même sous-jacente à un débat de société aujourd'hui sur, disons, la façon dont on approche le fait religieux. C'est tout ce que je voulais dire, c'est tout. C'était juste un tout petit détail. La date de 1823 pour l'entrée de l'abbé Michel et le futur abbé Michel Guérin au Grand Séminaire est simplement calculée à partir de la date de son ordination sacerdotale, parce que les archives du Grand Séminaire du Mans pour l'époque restent pour l'instant introuvables. De toute façon, je ne fais que me référer au biographe, bien sûr, de Michel Guérin, et en particulier récemment Anne Bernet. Voilà, il est 16h, je me tourne vers M. Cyril Daïdé pour savoir où nous en sommes au niveau de notre colloque. Est-ce qu'il est temps de conclure ? Oui, il est théoriquement temps d'avoir fini de conclure, mais je vous propose qu'avant de finir de conclure, nous commencions à conclure. Et je voulais vous proposer une clôture du colloque en trois volets. Un premier volet qui consisterait en échange libre, ce qu'on pourrait de manière un peu plus légère appeler les dernières questions. Et j'entends par là les questions qui porteraient y compris sur d'autres sujets que ceux qui ont été abordés cet après-midi, puisque le temps d'échange avec la salle qui vient de se clore à l'instant portait sur ce qui venait d'être dit. Et je ne voudrais pas renvoyer chacun chez soi à l'issue de ce colloque sans vous avoir donné une dernière occasion de poser une question, de faire une remarque. Après quoi, cette clôture se voulant aussi une ouverture, je procéderai à une brève synthèse et à quelques remerciements, certes d'usage, mais tout à fait sincères pour autant. Donc la parole est pour quelques minutes, le temps nécessaire, de nouveau à la salle. Bien, moi j'ai juste un tout petit mot à dire. Tu feras, c'est sûr, Cyril, les remerciements d'usage, mais ayant participé à ce colloque, je te remercie de ton invitation. Je remercie tout particulièrement le conseil départemental de son accueil, et je pense que si nous n'avions pas participé à ce colloque, si nous avions pu participer en présentiel, pour prendre les mots actuels, on aurait peut-être eu moins de visiteurs qu'il n'y en a eu par la retransmission en direct, et qui en plus sera encore disponible ensuite à la lecture. Donc merci à tous ceux qui ont participé à la bonne réussite matérielle et à tous les intervenants, évidemment. Oui, effectivement, d'après les quelques chiffres dont on dispose déjà, j'y reviendrai, l'audience est probablement supérieure à celle qu'il aurait été matériellement possible de rassembler hors restrictions sanitaires dans la salle de conférence des archives, qui était le lieu initialement envisagé pour ce colloque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Jean Lalanne, moi c'est simplement un témoignage sur l'apport de ce colloque que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je crois que notre raison et notre foi exigent la vérité. Cette vérité, elle s'appuie sur des faits. Il me semble que une contribution, en tout cas pour ce qui me concerne de ce colloque, a été d'établir une parfaite clarté entre cette opposition que le colonel Sonnin a mentionnée dans son intervention, entre
D'un côté, Chanzy qui dit j'ai sauvé Laval, j'ai sauvé la Mayenne en arrêtant une attaque allemande qui n'était qu'une reconnaissance. Et par ailleurs, ce vicaire général qui dit la Sainte Vierge est apparue au général prussien et a arrêté les Prussiens. Bon, pour rejoindre ce qui a été dit par ailleurs, je crois que la Sainte Vierge, elle est grande stratège et elle n'avait pas besoin d'un épisode tactique qui a prouvé que. On était loin de ces deux interprétations. Et de ce point de vue-là, je trouve que pour moi, ça conforte le caractère surnaturel de cette apparition, puisqu'on a dépassé les petites incertitudes humaines et on est arrivé au vrai message, qui est que la Sainte Vierge, là en l'occurrence, est souveraine et maîtrise les événements d'une autre façon que celle qu'on avait imaginée. Voilà mon petit témoignage. Oui, je voudrais aussi dire toute ma joie d'avoir participé à ce colloque, parce que j'ai vraiment compris que, pour moi, c'était un événement. C'est d'ailleurs le titre que l'abbé Richard, le premier historien, a voulu donner à son écrit, l'événement de Pontmain. Il n'a pas encore parlé de l'apparition, il n'y avait pas encore eu la reconnaissance. Alors, un événement, c'est quoi ? C'est un fait, alors on peut dire historique, mais qui a des conséquences. Et ça, on peut tous être d'accord là-dessus, sur le fait que ce qui s'est passé cette nuit-là à Pontmain a eu des conséquences pour l'Église, des conséquences pour la culture, avec tout cet art qui s'est développé, qu'on a vu, des conséquences pour la théologie aussi. Et donc, je trouve que c'est très bien de pouvoir honorer, alors chacun avec son approche, et puis chacun avec sa foi aussi, mais... C'est audacieux, je trouve, ce que vous avez entrepris, c'est-à-dire vraiment de dire cet événement-là, il peut s'appréhender par différents angles et de laisser aux personnes la possibilité d'exprimer leur interprétation de cet événement avec cette grande liberté. Moi, je trouve que ce sont des moments assez rares. Bien, merci pour ce beau témoignage de la manière dont vous avez compris le sens de ce colloque. Et c'est heureux qui rejoint assez justement la coloration, l'orientation que nous avons souhaité lui donner. Alors j'enchaîne ensuite sur le volet de synthèse. Et je voudrais, pour débuter cette synthèse, rappeler ce qui a été dit hier matin par Alexandre Lanoë, donc l'élu départemental qui a assuré le mot d'introduction, le lancement, l'inauguration du colloque. C'est évidemment ce contexte mémoriel, la commémoration du 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne et de l'apparition de Pontmain. Et ce sont bien ces deux événements... Reprend c'est ce terme que j'utilise. Ce sont bien ces deux événements que nous commémorons ces jours-ci. Ce contexte mémoriel nous rappelle à la fois l'évocation de cette guerre qui n'a pas concerné que la Mayenne, loin s'en faut, et de cette apparition qui, certes, a eu lieu en Mayenne, mais a eu des conséquences. Je fais encore une fois écho à ce que vous venez de dire, bien en dehors des limites départementales. Eh bien, cette commémoration, c'est rappeler un contexte national et sa manifestation strictement locale à travers les combats, à travers la manière dont la guerre était vécue, et puis ensuite le récit de l'apparition. Alors, c'était un colloque qui, de manière tout à fait assumée, se voulait universitaire dans son contenu, mais tout public dans sa destination. Et j'insiste, je pèse chacun des mots que je viens de dire, et je le dis au nom de l'ensemble du comité scientifique, qui a été parfaitement d'accord dès le départ sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, sur la portée qu'il fallait donner à ce colloque. Et il était évident que l'exigence la plus grande devait être portée à la sélection des interventions sur les critères universitaires dont je viens de parler, mais qu'elle soit dans sa forme accessible. Et c'est un objectif sur lequel nous avons
de bonnes raisons de penser qu'il est au moins en partie atteint. Et j'en veux pour preuve le fait qu'au-delà de la quinzaine d'intervenants rassemblés, mais plutôt que rassemblés, j'ai envie de dire nécessairement clairsemés, éparpillés dans cette très grande salle, conditions sanitaires obligent, au-delà de cette quinzaine d'intervenants, eh bien, plusieurs dizaines de personnes via Internet nous ont suivis. Donc on était plusieurs dizaines de personnes en permanence connectées à nos échanges, mais aussi plusieurs centaines de visionnages par intermittence qui ont été enregistrés depuis hier matin et qui vont se poursuivre. Je suppose que ces visiteurs intermittents sont venus picorer au gré des interventions, au gré du programme. Et je crois qu'il faut s'en réjouir, puisque un colloque n'est pas un menu qu'on commande et qu'on s'astreint à déguster jusqu'à l'écœurement de l'entrée jusqu'au dessert. Ce peut être aussi, pour que ce soit vraiment nourrissant et qu'on y garde le plaisir, eh bien un buffet dans lequel on vient, selon ses goûts, selon ses choix, se nourrir de ce qui nous paraît appétissant. Et je me réjouis, là encore, que nos internautes aient non seulement saisi cette possibilité, mais aient souhaité en profiter. C'était l'apéritif de la synthèse, si j'ose dire. Maintenant, le plat de résistance, synthèse des interventions. Et je vais d'emblée commencer par vous dire que ces interventions, je n'aurai pas la prétention de les résumer. Ce serait inutile et surtout, ce serait mission impossible pour moi. Je vais néanmoins y revenir pendant un instant. Et c'est évidemment l'un des objets indispensable, incontournable, d'une allocution de clôture. Et ce que j'ai prioritairement envie de dire pour synthétiser nos interventions, c'est en souligner le caractère profondément humain. Il n'est pas évident, mais il est tout à fait réel, ce caractère humain. Tout d'abord parce que la guerre, ce n'est pas qu'une affaire d'artillerie, une affaire de stratégie. Une guerre, ce sont avant tout des hommes au front, des hommes et des femmes à l'arrière. Quant à l'apparition, ce n'est pas une manifestation qui serait exclusivement surnaturelle, donc dans un domaine qui dépasse l'homme pour l'écraser, pour l'exclure. C'est au contraire une manifestation qui est adressée à des yeux d'humains, qui plus est à des enfants. Et c'est... Je crois que les intervenants plus autorisés que moi sur le sujet l'ont très bien montré. L'apparition, ce n'est pas un spectacle important auquel les voyants sont de modestes spectateurs. C'est un message. Et finalement, dans le message, ce qui est important, c'est non seulement son contenu, mais aussi son destinataire. Or, qui sont les destinataires du message de Pontmain ? Des humains, des hommes, dans ce qu'ils ont... peut-être de plus simple, puisque ce sont des enfants. Donc on n'est pas dans un message qui descend du ciel pour écraser l'intelligence humaine, mais plutôt un message qui vient exhorter, comme l'a relevé Jean-Louis Benoît, d'une manière pédagogique ou pédagogue, mais très douce, exhorter ce qu'il y a finalement, exhorter ce qu'il y a de plus humain, c'est-à-dire des enfants. L'humanité, dans sa fraîcheur, dans sa naïveté, dans sa spontanéité. Ça, c'est le premier point. Et quand je parle de ce caractère profondément humain, je viens rajouter une nuance supplémentaire. Ces humains, ces hommes, ces femmes, ces enfants que nous commémorons, puisqu'on est bien dans un registre de commémoration, anniversaire du 150e anniversaire, donc commémoration, ces humains, ce ne sont pas des morts que nous commémorons, ce sont des hommes et des femmes qui ont été vivants et si une partie d'entre eux, notamment parmi les soldats, les victimes civiles, sont bien des morts, la grande majorité des soldats et les voyants de Pontmain et plus largement la population de Pontmain, ce sont des hommes et des femmes dont nous avons évoqué la vie. Donc on est bien dans ce caractère profondément humain. Voilà, ça me paraissait important de le souligner. Alors pourquoi ? Eh bien,
Parce que quand on s'intéresse au caractère humain de l'histoire, puisque l'histoire est faite par les hommes et les femmes, célèbres ou non, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs limites aussi, et c'est précisément ce que j'ai retenu, à la fois dans ce qui a été commémoré, le contenu, dans les moyens de commémorer, mais aussi dans les buts poursuivis. Alors, je commence par le contenu. Je parlais des valeurs et des limites de ces humains dont nous avons parlé. Qu'est-ce qui a été commémoré ? Eh bien, ce qui a été commémoré, c'est d'abord l'âpreté des conditions de vie, et on devrait plutôt dire des conditions de survie, des soldats de la guerre de 70. Je fais référence à la communication d'Amaury hier. Ce qui a été commémoré, c'est aussi la désorganisation, l'impréparation, l'arrogance de l'armée française aussi en 1870 au moment de la déclaration de guerre, qui est la cause de l'âpreté des conditions subies ensuite par les soldats, l'objet de l'intervention de Pierre également hier. L'âpreté des conditions de vie, la désorganisation, là on est bien dans les limites, dans les manquements aussi de la hiérarchie militaire de l'époque, mais elle est compensée, peut-être pas en totalité, mais en grande partie, par l'audace des pilotes des ballons montés dont Hervé nous a parlé, la souffrance des malades et des blessés, l'abnégation des soignants, qu'il s'agisse de médecins ou de religieuses, comme Coraline l'a souligné également hier. Ça, c'est le contenu, vraiment très, très basiquement humain. Mais commémorer, ce n'est pas seulement évoquer des grands principes ou des valeurs, c'est aussi construire un discours historique. Et évidemment, la restriction de construire un colloque qui soit universitaire, c'était précisément garantir au contenu une exigence historique sur un discours dûment construit. Or, construire un discours, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord analyser les témoignages, comme l'a fait Gilbert ce matin, et c'est même, au-delà de leur analyse, les passer au crible d'une interprétation alors que je qualifie de spéculative, c'est-à-dire une interprétation qui décortique, qui cherche des liens, qui est également attentive à la dimension symbolique, comme l'ont fait Jean-Louis et le père Étienne Richer cet après-midi. Donc, construire un discours, c'est analyser les témoignages, les interpréter, mais c'est aussi ces interprétations, les confronter, quitte à souligner d'éventuelles exagérations rhétoriques, comme l'a fait de manière remarquée le colonel Sonneck hier matin. Construire un discours, c'est évidemment replacer en contexte. L'importance du contexte est tout à fait cruciale. On ne commémore pas à travers les événements d'il y a 150 ans uniquement ces événements. On cherche à comprendre dans quel contexte ils se produisent, puisque le contexte a une incidence directe et indirecte sur les événements en question. Les replacer en contexte, eh bien, il peut s'agir de replacer des événements ponctuels dans un contexte mariophanique, une apparition dans une époque qui en comprend un certain nombre. C'est ce qu'ont fait Yves Chiron et Sylvie-Manuel Barnet cet après-midi. C'est aussi replacer des événements locaux dans un contexte national, comme l'a fait Pierre hier matin, voire dans un contexte international, comme l'a fait Guillaume. Guillaume qui a, en outre, mis en lumière les codes précis, souvent implicites, de la diplomatie, pour donner aussi des éléments de contexte sur la manière dont la paix avait été négociée entre les belligérants. Replacer en contexte, c'est également rappeler la tradition, en l'occurrence la tradition du culte marial, et en cartographier les variations géographiques, ce qu'a fait Jean-René hier après-midi. C'est aussi être précis sur les termes et les institutions de l'époque, être précis, construire un discours historique qui soit attentif, qui ne soit pas approximatif. Et à cet égard, M. Chérel a rappelé d'une manière que j'ai trouvée assez rare ce qu'était une paroisse, ce qu'il a définissé. Et
on lit assez régulièrement dans la littérature sur le sujet, sur Pontmain, que Pontmain était une paroisse, eh bien, avoir rappelé ces nuances qui, en apparence, peuvent sembler légères, mais qui, en réalité, ont un sens, qui modifient légèrement la lecture des faits, c'est important. Et j'y étais d'autant plus sensible que j'ai essayé moi-même, en présentant la Mayenne en 1870, de rappeler cette nécessité qui m'apparaissait d'être précis sur les institutions pour que le contexte soit posé non pas à travers nos grilles de lecture actuelles, mais bien à partir de celles en vigueur à l'époque des événements sur lesquels se porte notre regard. Et enfin, construire un discours, c'est replacer en contexte, en clarifiant et en rappelant le contexte de ce tout jeune évêché de Laval, comme l'a fait Michel ce matin, parce que tout simplement, un événement qui se produit dans un évêché, un diocèse qui est érigé depuis 15 ans, n'a nécessairement pas le même poids, à commencer par les yeux de l'évêque, que s'il se produisait dans un évêché qui aurait déjà une tradition qui remonterait par exemple au Moyen-Âge, voire à l'Antiquité. C'était sur le contenu, mais, et c'est peut-être la question qu'on aurait été tenté de se poser avant même celle du contenu, pourquoi commémorer ? La question de la finalité, la question des buts, probablement que... l'un des objectifs de la commémoration, c'est de transmettre. Et cette transmission, elle intervient dès l'époque des faits, à travers les témoignages, à travers les représentations auxquelles Gilbert, Pauline, Oriane, ce matin, consécutivement, ont été attentifs. Mais c'est transmettre aussi pour aujourd'hui, ou pour employer un terme peut-être un peu plus éloquent que transmettre, partager. Et pourquoi partager est important à nos yeux ? Parce que nous sommes, à des degrés divers, de manière plus ou moins professionnelle, des chercheurs. Et le travail de recherche, ceux qui l'ont éprouvé le savent, est un travail qui est essentiellement solitaire. Pour autant, si la partie la plus longue de la recherche est solitaire, il y a toujours un moment où, à travers des réseaux de chercheurs, par exemple, nous tous intervenant aujourd'hui, nous souhaitons nous transformer en passeurs et nous ne recherchons pas pour le plaisir de conserver par-devers nous nos notes érudites, mais nous recherchons pour partager avec ceux qui s'y intéressent une parcelle de ce que nous croyons avoir découvert. Donc, commémorer, c'est transmettre, mais peut-être même avant de transmettre, il faut pouvoir rassembler la connaissance à partir des sources. C'est ce que j'ai essayé de présenter hier matin. Et enfin, une fois que la transmission est prête, eh bien, on peut passer à la diffusion, une diffusion qui a pour but de ne pas oublier. Et c'est le sens de la politique mémorielle du ministère des Armées que Bruno nous a présenté hier matin. Je reviens très brièvement sur les contraintes sanitaires, je n'en dirai pas plus, nous les connaissons tous, mais j'aimerais souligner une contrainte scientifique qui s'est posée à nous en tant qu'intervenants dans ce colloque, ça a été de tisser ensemble les deux sujets, la guerre de 1870 et l'apparition de Pontmain. Et en réalité, nous nous apercevons que ces sujets en Mayenne sont indissociables, quand bien même le programme était organisé autour de deux grands volets sur une guerre oubliée, point d'interrogation, et l'apparition du 17 janvier, eh bien, il a été question de Pontmain dès avant le début du deuxième volet, et il a encore été question de la guerre de 70 tout au long de ce deuxième volet. L'objectif est rempli, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé un seul et même colloque sur ces deux sujets liés, plutôt que deux manifestations distinctes sur deux événements qui nous auraient paru distincts. Mon allocution de clôture avance. Qui dit allocution de clôture dit que le colloque est achevé. Mais il n'est pas fini.
Et vous voyez peut-être où je veux en venir. Tout d'abord, les vidéos sont en ligne, d'ores et déjà. Celles d'hier matin, d'hier après-midi, de ce matin, sont déjà accessibles. Celles de cet après-midi, dès que Jeanne aurait terminé, le sera à son tour. Ces vidéos sont à voir et à revoir. Et elles seront diffusées également par d'autres canaux dont nous vous informerons en temps voulu. Mais ce ne sera toujours pas fini, parce que les actes du colloque seront publiés dans les mois à venir, lorsque le travail de remise en ordre aura été achevé par chacun des intervenants, lorsque le travail d'harmonisation aura été achevé par les directeurs de publication. Naturellement, dans les actes du colloque, on peut dire des choses que le temps très contraint de l'intervention nous a amené à passer sous silence. Il y aura donc encore dans les actes de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles découvertes à partager, et je crois que nous n'aurons le sentiment du devoir accompli que lorsque ces actes seront mis à la disposition du public. Mais dans l'immédiat, les sujets dont nous avons parlé vont continuer d'avoir une résonance forte. Les commémorations ne sont pas terminées, puisque s'ouvre demain et jusqu'à dimanche un triduum diocésain à Pontmain. Donc la célébration de cet anniversaire n'est pas terminée, et je me permets maintenant d'avoir un remerciement anticipé et appuyé comme il se doit au père Renaud, qui a très gentiment, très aimablement accepté, malgré son emploi du temps, dont je vous laisse imaginer qu'il est chargé à la veille de ce triduum, eh bien, de consacrer toute sa journée non seulement à être présent, ce qui aurait déjà été très appréciable, mais également à prononcer le mot d'introduction ce matin, et enfin à présider les deux dernières séances de la journée. Donc voilà, je voudrais lui dire toute ma gratitude, mais il l'a accepté avec beaucoup de simplicité, ce qui voilà, me paraît mériter d'être dit, d'être publié au grand jour. Mais voilà, ça a été, c'était précieux, alors même que pour l'organisation, nous avions souhaité organiser sans un partenariat avec le diocèse qui aurait été envisageable, mais voilà, d'un commun accord, nous n'avons pas souhaité mener, ce qui n'a pas empêché que nous avons travaillé ensemble, et c'est évidemment une excellente chose. Je n'ai rien à ajouter sur la partie synthétique, et je vous prie de m'excuser pour les éléments importants que vous avez apportés dans vos interventions et que je ne répète pas ici, mais voilà, rien ne m'y autorise. Je voudrais maintenant passer au dessert de la clôture, au remerciement. C'est, comme je le disais, un exercice obligé. Pour autant, Je le fais avec beaucoup de sincérité, parce que il y a une réelle gratitude des organisateurs envers ceux qui ont contribué, de la même manière que un certain nombre d'intervenants ont débuté leur présentation par des remerciements aux organisateurs. C'est vrai qu'on est tous très heureux d'avoir pu travailler ensemble, mais ce n'est pas une raison pour le passer sous silence. Donc mes remerciements vont en premier lieu aux intervenants qui se sont succédés à ce pupitre depuis hier matin. Alors quand je dis les intervenants, on n'est pourtant pas un groupe dans lequel on serait tous noyés en perdant notre identité, puisqu'on est par définition un groupe artificiel, un groupe hétérogène, et c'est heureux, c'est une bonne chose. Nous avons été un groupe ouvert au débat, et j'ai noté que vous n'avez pas hésité, les uns et les autres, à entrer, aussi souvent que cela vous a paru pertinent, dans le débat, en distinguant différentes approches. Je reprends vos termes. Hier matin a été prononcée l'expression « chacun sa vérité », ce qui est une manière de prendre acte d'un désaccord sans chercher à nier la position que l'on désapprouve.
Et à l'instant, cet après-midi, a été proposée l'expression « différentes lectures des faits », c'est-à-dire que nous partageons les mêmes faits, mais chacun peut avoir, pour diverses raisons, des lectures divergentes, pas toujours incompatibles. Nous sommes un groupe hétérogène au regard de nos origines géographiques, puisque il y a parmi nous des Mayennais, de Laval, d'Argentré d'ailleurs, des Rennais, des personnes venues de la Normandie voisine, certains venus de Paris, de Toulouse, et même des Mayennais expatriés professionnels à Paris et même à Guéret. Nous sommes aussi très différents par nos métiers, puisqu'il y a des professeurs et des enseignants parmi nous, des chercheurs, des conservateurs, une restauratrice et des militaires. Nous avons tous réussi à travailler ensemble. Et il y a même, Jean-Louis l'a noté ce matin, des romanciers. Il a cité Michel et moi, c'est lui que j'ai envie de citer dans cette catégorie. J'ai un remerciement particulier quand j'évoque le caractère hétérogène et la grande gentillesse, l'amitié que vous nous avez faite les uns et les autres en participant à ce colloque. Un remerciement particulier au père Richer qui a fait un voyage plusieurs centaines de kilomètres pour être parmi nous et pour nous apporter l'éclairage précieux de président de la Société française d'études mariales qu'il est. Il faut non seulement remercier, être sensible au fait que vous avez accepté de participer, mais aussi aux efforts que vous avez faits très spontanément les uns et les autres, vous, Père Richer particulièrement, mais aussi vous autres dans la salle, pour être parmi nous pendant ces deux jours. Nous sommes différents par nos disciplines, histoire médiévale, contemporaine, histoire de l'art, histoire militaire, histoire diplomatique, littérature, sémiologie herméneutique, théologie, marcophilie. On a bien atteint le critère pluridisciplinaire que nous nous étions fixés. Différents, oui, mais unis au moins par un point commun, notre goût pour la recherche. Je ne dirais pas la recherche de la vérité, je crois que peu d'entre nous auraient la prétention d'y parvenir, mais au moins la recherche de la connaissance et un goût marqué pour le partage de cette connaissance. Mes remerciements ensuite, immédiatement après les intervenants, à nos partenaires, l'Office national des anciens combattants, Bruno, l'Université catholique de l'Ouest, l'antenne de Laval, Sylvain, merci beaucoup. Nos présidents de séance, par ordre d'apparition, Bruno, Sylvain, Jean-Louis et Père Renaud. Les membres du comité scientifique, avec à cet égard un remerciement appuyé pour son soutien qui a été précoce, qui a été précieux à Jean-Louis, puisque presque personne ne le sait ici. Lorsque nous avons, Christine Marie et moi-même, rencontré Jean-Louis Benoît, nous avions la très modeste idée d'une table ronde, peut-être sur une demi-journée, éventuellement sur une journée. Et Jean-Louis nous a dit, avec beaucoup de gentillesse, mais une fermeté qui nous a poussé à l'écouter, nous a dit « impossible, il faut un colloque, moins de deux jours, inenvisageable, minimum deux jours, et on en fait un colloque ». Évidemment, on a été un peu stupéfait par cette déclaration, par l'ampleur de la tâche qui se présentait, mais Jean-Louis est resté à nos côtés, et le comité scientifique s'est étoffé très rapidement pour pouvoir répondre à cette exigence d'un colloque, par Pierre-Louis, par Sylvain et aussi par Christophe, qui n'est pas parmi nous, mais qui a été lui aussi, qui nous a apporté un concours très, très précieux. Juste après les membres du comité scientifique, ceux du comité de pilotage, donc Bruno, et donc Bruno, ton prénom est revenu à plusieurs reprises, tu es intervenu à plusieurs titres, et tu as coordonné l'exposition aussi sur les Mayennais et la guerre de 70, et je t'en remercie. Deuxième membre du comité de pilotage, Christine,
Christine Marie, donc qui est chef du service action culturelle et éducative aux archives départementales, et pour qui j'ai une pensée un peu particulière cet après-midi, puisque malheureusement son état de santé l'a empêché de suivre la mise en œuvre du projet et d'être des nôtres cet après-midi, mais elle tenait beaucoup à cette manifestation. Je remercie ensuite. Il n'y a pas d'ordre de priorité particulier dans les remerciements, vous le verrez. Je remercie les autorités religieuses, donc le diocèse, Monseigneur Scherer, son vicaire général, le père Luc Meyer, qui a porté une attention régulière à nos travaux, et père Renaud. J'y reviens. Donc, vous êtes recteur du sanctuaire de Pontmain et votre soutien a été tout à fait précieux. Donc, je tiens à le souligner. Vous étiez d'ailleurs tout à fait prêt dans les premières versions de notre programme à nous accueillir chez vous pour la deuxième journée, celle qui a eu lieu finalement à Laval aujourd'hui. Vous étiez prêt à nous accueillir à Pontmain et nous aurions été heureux que les circonstances, que le contexte sanitaire ne nous empêche pas d'y venir. Mais voilà, on ne va pas s'étendre en regrets qui seraient tout à fait inutiles. Je remercie également, alors je vous rassure, la liste touche bientôt à sa fin, mais chaque remerciement a son poids. Je remercie les prestataires qui se sont chargés de la retransmission vidéo en direct. Nous n'avons reçu que des éloges pour ce travail que vous avez mené, et pas nous, donc en l'occurrence la société Prisma, et donc nominativement Laurent, Florian, Mathieu, Alexis, Yannick, Jean-Marc. Vous voyez que quand on parle d'un prestataire mobilisé pour assurer une retransmission, c'est une véritable équipe, et clairement l'union a fait la force. Nous avons apprécié votre professionnalisme, votre patience aussi, pour bien comprendre notre demande et y répondre du mieux possible. Je pense que les internautes derrière leur écran se joignent à mes remerciements. Je remercie également les médias, notamment Isabelle et Christelle de Radio Fidélité, qui ont sollicité un certain nombre de nos intervenants pour faire connaître leurs travaux. Je remercie les services du conseil départemental auxquels Bruno a adressé déjà des remerciements. Donc en particulier le cabinet du président et les élus, en l'occurrence Alexandre. Le cabinet et les services, le service intérieur, notamment Timothée, Hélène, Isabelle, Aurélie, Karine. Le directeur général des services, Olivier, qui a lui aussi veillé aux bonnes conditions matérielles de l'organisation, à la direction de la communication et de l'attractivité, qui a été, on va dire, le soutien nécessaire pour surmonter les contraintes sanitaires sans pour autant renoncer à tenir notre colloque. Donc surtout François, qui a été présent au-delà de ce que son agenda permettait, mais aussi Nathalie et Manon, que je n'oublie pas, la direction des services numériques, Christophe, Yannick et Corentin, qui ont permis veiller à la compatibilité du réseau, notamment pour nous permettre de tenir le colloque dans cette salle, le directeur de l'animation des territoires, Alban, et au sein de la direction des archives, un remerciement tout particulier pour Morgane, qui a elle aussi été présente au-delà des heures habituelles de travail d'un fonctionnaire, Annie, Sylvie et Anémone, qui ont assuré des tâches qui pourraient être vues comme subalternes, mais qui, dans la réalité des faits, sont tout à fait cruciales pour le bon déroulement des choses. Je remercie également les services de l'État, dont la contribution a été d'approuver le dispositif sanitaire qui était destiné à garantir la sécurité des intervenants. Évidemment, sans cela, nous aurions dû renoncer, en particulier Claudine Bruno de la préfecture, mais aussi pour la diffusion, je veux dire pour la diffusion de l'existence, la tenue de ce colloque, Brigitte, Claudine et Anne-Isabelle des Archives de France.
J'ai évidemment une pensée pour nos internautes qui ont peut-être vu l'heure décrocher et je ne peux pas leur en vouloir. Ces internautes qui nous ont suivis, mais pas seulement, puisqu'ils ont aussi enrichi nos échanges de leurs remarques et de leurs questions. Certains d'entre eux, à travers la qualité de leur intervention et leur connaissance manifestement précise du sujet, nous ont donné envie de rester en contact avec eux pour nous appuyer autant que de besoin sur leur connaissance et voilà, continuer à faire avancer notre connaissance des choses. Au-delà de ces internautes très actifs, donc c'est plusieurs dizaines qui étaient présents en permanence, et bien quelques centaines présents par intermittence qui contribuent aussi à faire connaître nos travaux. Et je finirai par un dernier remerciement tout à fait personnel, tout à fait particulier. On va dire que c'est le privilège de celui qui a le micro allumé. Je voudrais remercier Coraline, Mathilde, Axel et Agathe qui, ayant choisi de vivre avec moi, ont dû ces derniers mois vivre aussi avec le colloque pour certaines plages de temps pendant lesquelles je n'ai pas été aussi disponible que d'ordinaire et aussi disponible que je le souhaitais, mais ils ont évidemment compris et qu'il me soit enfin permis de dédier ce colloque à la mémoire de ma mère, et ce sera mon dernier mot. Au nom de toute l'Assemblée, c'est nous qui te remercions désormais très chaleureusement, Cyril, et on te dit à bientôt pour la suite des travaux.